Mesdames, messieurs, les autres, bonsoir et bienvenue pour une petite vidéo un peu spéciale. Avec l'arrivée de la saison 3 de Drag Race France, je me suis dit que c'était l'occasion de parler un peu plus en détail des franchises de Drag Race à l'international. On me demande souvent quelles sont mes saisons préférées, quelles sont mon top 3, quelles sont celles que je préfère le moins. Donc c'est l'occasion ou jamais, on va faire, vous savez, les tier lists, ces ranked là qu'on a là, où on va juger les différentes saisons et les placer dans un joli petit tableur. C'est bien évidemment sur le site Tiermaker, c'est très connu, beaucoup de personnes l'ont fait, c'est pas du tout original comme concept. Mais c'est une petite vidéo sympa, je pense, pour parler un peu de tout et n'importe quoi, de parler des différentes franchises, de ce que j'aime, de quelle franchise je préfère par rapport aux autres. Et voilà. Donc bien évidemment, c'est sûrement basé sur mon opinion personnelle. C'est une vidéo qui risque d'être assez longue aussi, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais... Bref, on est là pour prendre le temps, pour kikier entre nous, et voilà, c'est une petite vidéo simple et rigolote, donc on va y aller tranquillement, c'est pour célébrer, on va dire, l'occasion, la sortie de Drag Race France saison 3 qui arrive bientôt, et qui s'annonce rigolote, donc on verra comment ça se passe. Si vous aimez ce genre de vidéo, bien évidemment, on n'oublie pas de s'abonner, mettre des pouces bleus, des commentaires et tout le bordel. Voilà, donnez-moi votre opinion, quelles sont vos saisons préférées, celles que vous préférez pas. N'ayez pas peur, hein, vous avez le droit d'aimer une saison que les gens disent qu'ils aiment pas. Vous avez le droit de détester une saison que tout le monde aime. Voilà, les goûts et couleurs. Là, on va surtout se baser sur les goûts plus qu'une réaction objective, contrairement à ma tier list des trucs de 2023 où j'essaie de mélanger les deux. Voilà, mais on va parler comme ça, on va voir comment ça se passe et c'est parti! C'est bon, c'est prêt, maintenant vous allez avoir le magnifique écran qui s'affiche avec différents tiers. Nous avons le S tier pour les meilleurs, A, B, C, D, F. Ça devrait être E normalement. Ah oui, non mais F tier c'est la plus mauvaise et vu qu'il y en a déjà 6, ouais bon, ok, allez. On va dire que F, je comprends pourquoi ils ont mis F et pas E. Donc bon, ça ira. Comme ça, du coup nous avons toutes les franchises internationales de Drag Race. Alors nous n'avons pas Switch Drag Race parce que c'est pas une franchise officielle. Je pourrais les rajouter, mais flemme, hein, y en a déjà suffisamment. Donc nous avons toutes les franchises de Drag Race, que ce soit les régulières, les All Stars, jusque... Je crois qu'on est à jour au moment où je tourne cette vidéo. All Stars 9 n'est toujours pas sorti, voilà. Et du coup on a la saison 16 US, je la vois. Je vois UK vs The World saison 2, Belgique saison 2, donc ouais, on est à jour. Il y a aussi All Stars en Espagne. Donc on est à jour des saisons et on va les juger tranquillement et prendre notre temps. Bref, on va commencer tout de suite parce que ça va être assez long. Alors, elles sont pas dans l'ordre. Donc, le challenge va être de reconnaître quelle saison c'est à propos des promo looks. Qui risque d'être assez rigolo. Donc, on va commencer tout de suite avec la première saison qui est... UK saison 2, je crois. Ouais, je reconnais Joe Black, Cherry Valentine, Ginny Lemon. Ok, ouais, donc c'est bon. C'est bon, c'est UK saison 2. RuPaul's Drag Race UK saison 2, donc la deuxième saison de UK. Alors on commence tout de suite avec une très très bonne saison. Et honnêtement, je pense qu'on va pouvoir se dire que c'est l'une de mes saisons préférées. La bataille pour ma saison préférée va se jouer, je pense, entre UK saison 2 et All Stars 2. Voilà, ça va se jouer entre ces deux-là. Ça va se jouer entre ces deux-là parce que... J'ai toujours eu une préférence pour All Stars 2 parce que le cast et tout, et que c'était un moment... J'avais déjà découvert Drag Race et je connaissais déjà la plupart des membres du cast, que j'avais vu leur saison pendant leur diffusion, donc c'était une saison très particulière pour moi, l'attachement émotionnel et tout. Mais avec le temps, plus je re-regarde la saison 2 de UK et plus je l'apprécie en fait. C'est vraiment une saison qui s'affine avec le temps. C'est une saison très particulière parce que c'est une saison où son tournage a été coupé à cause du Covid. Là, ils ont fait une énorme pause pendant le tournage, pendant de plus de 6 mois. En gros, ils ont dû arrêter parce qu'il y a eu le Covid et tout le bordel. Bref, c'était incroyable. Il y a eu aussi beaucoup de choses après la diffusion de la série. Il y a eu malheureusement Cherry Valentine qui a mis fin à ses jours. Voilà, qui assez brusquement. C'est quelque chose que personne n'avait vraiment vu venir. C'était assez violent. Le casting était très fort. Très fort. Bimini Bonboulash... Lauren, Shaney, Taze, il y avait quoi? Il y avait bien évidemment Veronica Green, Ginny Lemon, Joe Black qui était incroyable, qui a été notre premier pork chop fabuleux, qui est un artiste de cabaret de génie, vraiment je l'adore, je regarde sa chaîne YouTube, il est incroyable. Honnêtement, UK saison 2 pour moi est sans aucun doute l'une des meilleures saisons parce que ça nous a apporté à la fois le drama...
à la fois la rigolade. On a eu un très bon snatch game, on a eu énormément de bons moments. Aussi, c'est assez paradoxal de se dire ça parce que, en général, beaucoup de personnes ont tendance à juger une saison par rapport à sa résolution, par rapport à qui a gagné et tout. Mais dans la finalité, on se rend compte que les saisons que les gens préfèrent avec le temps ne sont pas forcément celles où les gens sont d'accord avec la gagnante. Parce qu'il y a eu Laurent Chaney qui a gagné, ce qui était assez surprenant parce que Bimini Bamboulash a totalement explosé la deuxième moitié de la saison, tandis que Laurent s'était un peu plus réservé sur la deuxième moitié de saison. Donc les gens étaient assez surpris, même Laurent Chaney s'attendait à perdre. Donc quand elle a gagné et que tu vois sa réaction, elle était vraiment en mode « Pardon, what ? C'est moi qui ai gagné, pourquoi ?» Donc c'était vraiment très surprenant. Ça a été assez drama sur bien des aspects. Beaucoup de personnes n'étaient pas contents avec le résultat. Mais je comprends. Voilà, je comprends totalement. Donc c'est une bonne saison. C'est une excellente saison, c'est l'une des meilleures saisons de Drag Race. C'est même une saison que je conseille avec UK saison 1 pour commencer la franchise. Si vous voulez regarder des franchises internationales, parce que c'est très comique, c'est très divertissant, c'est très bien fait. Et voilà, c'est vraiment... Les saisons anglaises sont très bonnes au Royaume-Uni. Donc félicitations pour UK saison 2. Pour moi, ça va facilement dans la S tier. Et ensuite, nous avons... Ah, je reconnais Choriza May. J'ai reconnu UK saison 3 au look de Choriza May. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Alors, UK saison 3. Ah, l'hésitation. En C ou en D? Alors, c'est la saison 3. Elle est victime, malheureusement, de la malédiction. C'est un fait. Mais je peux... Alors, il y a toutes les franchises aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire, il y a toutes les franchises. Il y a Down Under. Il y a UK vs. The World saison 1. Il y a Hollande. Il y a toutes les franchises. Donc, c'est à mettre en perspective. Parce que la raison pour laquelle beaucoup de personnes détestent UK saison 3, c'est parce que la saison 1 et 2 de UK étaient tellement bonnes que la saison 3... a été vraiment une déception. Et en fait, il y a eu d'énormes problèmes. Genre, par exemple, il y a eu malheureusement Victoria Scone qui a été blessée et qui était set-up pour être du coup la grande compétitrice face à Crystal Versace. Donc, quand vous avez l'une des deux front-runners évidentes de cette saison, hein, d'ailleurs, c'était la première queen affable de la franchise, qui est blessée malheureusement et qui, pour des raisons médicales, a dû abandonner. Bah, comment vous dire que le reste de la saison, vous avez forcément la gagnante qui est toute seule, tranquille, en train de faire sa vie. Bah forcément, ça a un impact. Voilà, ça a un impact. Il y a eu beaucoup de choses assez bizarres. Il y a eu un double chanté. Il y a eu des moments iconiques aussi dans UK saison 3. Mais c'est une saison qui a été beaucoup critiquée, Crystal Versace a été beaucoup critiquée, et je pense que la raison pour laquelle UK saison 3 est aussi détestée, c'est que vraiment UK saison 1 et 2 ont placé la barre tellement haute que la saison 3 a été un retour à la réalité de ce qu'est une saison de Drag Race, parce qu'au final c'est pas une mauvaise saison. J'ai revu récemment saison 3 de UK, certes il y a des moments où t'es en mode « well », mais c'est pas une saison catastrophique. Donc en fait je pense que la raison pour laquelle UK saison 3 est aussi mal vue, c'est parce que les saisons 1 et 2 étaient tellement bonnes. Et je pense que, et c'est d'ailleurs l'un de mes gros risques que j'ai vis-à-vis de Drag Race France saison 3, c'est que la saison 1, bon, était clairement pas la meilleure, mais la saison 2 a tellement explosé tous les records, que j'ai peur que les gens se lancent dans Drag Race France saison 3 en se disant on va avoir la saison 2 encore. Peut-être, j'espère. Mais il est peu probable qu'on ait une deuxième saison 2, si vous voyez où je veux en venir. Donc, pour moi, UK saison 3, avec le recul, je la mettrais en C. Genre, on va dire que B et C, c'est vraiment la moyenne. B, c'est la moyenne haute. C, c'est la moyenne basse. Voilà, c'est ce qu'on va se dire. Et je pense que je vais la mettre en C. On est dans la moyenne basse, mais c'est pas la plus mauvaise. Voilà, on a eu pire. Voilà, c'est que quand tu regardes que genre il y a Hollande, il y a Down Under, tu te dis il y a pire. Donc on parlera de cette saison après, mais il y a eu pire. Voilà. Ensuite nous passons à... Alors c'est Canada 1, oui. C'est Canada 1.
Alors Canada saison 1. Alors ça c'est un cas pas très particulier parce que Canada saison 1 est sans aucun doute, je pense, l'une des des saisons les plus vues, les plus iconiques, mais aussi les plus critiquées. Alors Canada saison 1 est sortie à un moment particulier, elle est sortie un peu avant le Covid. Voilà, c'est Canada saison 1 est sortie un peu dans cette vague, dans ce moment-là, c'était très particulier. Et en fait, beaucoup de personnes ont regardé Canada saison 1 parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, tout simplement. Voilà, c'était le moment où on se faisait chier, hein. C'était la quarantaine, il n'y avait pas vraiment d'autres choses à faire. Et du coup, c'est un peu comme la saison 12 du S. Beaucoup de personnes ont regardé tout simplement parce que tu te faisais chier, il n'y avait rien d'autre à voir. Vous voyez où je veux en venir. Attendez, je vérifie la date de sortie de Canada quand même. C'est bien celle-là qui est sortie pendant le Covid. Elle est sortie en 2019. Premier épisode, non, 2 juillet 2020. Donc non, ouais, c'est bien pendant le Covid et tout. Donc ouais. C'est la saison où vraiment beaucoup de personnes ont regardé parce que c'était l'une des premières franchises internationales. Mais surtout, c'était l'une des premières franchises internationales qui était hostée. Enfin, hosté. C'était pas vraiment hosté. Il y avait tout un truc où, en gros, il y avait un host invité, mais il y avait Brooklyn Heights, la demi-finale, enfin la finaliste de la saison 11 du S, qui était iconique et qui était au panel des juges. D'ailleurs, Brooklyn Heights, qui a été annoncé comme juge principal de Canada's Drag Race, qu'à partir de la saison 3, je crois. C'est après la saison 2, à la fin de la diffusion de la saison 2, ils ont annoncé que Brooklyn était l'host. Voilà, donc pour vous dire, c'était vraiment un cas particulier parce qu'ils avaient peur de mettre une Roo Girls comme host. Et du coup, ils essayaient de mettre un host invité. Voilà. C'est une franchise dont la première saison a vraiment des personnes incroyables, iconiques. Jimbo, Priyanka, Lemon. On a aussi. On a eu des moments iconiques. Hein. On a eu vraiment Scarlett Bobo et son look de vache. On a eu des choses iconiques. Mais il y a aussi eu le problème des juges, où vraiment il y avait des commentaires des juges qui étaient très déplacés. En plus, il y a eu des. Ça a été tellement le bordel vis-à-vis de la critique des juges. Ils ont remplacé l'intégralité du panel de juges, sauf Brooklyn, entre la saison 1 et 2, pour vous dire. Donc, Canada saison 1, c'est vraiment une saison particulière. Parce qu'au final, c'est une saison que beaucoup de personnes ont regardée et idolâtre. Il y a eu vraiment beaucoup de gros, gros moments forts. Mais on va dire, tous les dramas vis-à-vis des juges ont vachement diminué la saison. Donc, je dirais pas qu'elle est dans le D ou le F. Pour moi, c'est une saison qui est là. Après, c'est est-ce que je la préfère à UK saison 3 ou pas? Ouais, quand même. En fait, on va dire que ce qui la sauve, c'est vraiment son cast. Le casting de Canada Drag Race saison 1 et les challenges et tout ce qu'on a eu était tellement iconique que c'est ce qui permet de la sauver. Voilà, ça la sauve du C de justesse. Voilà, c'est ce qui la sauve, c'est le fait qu'il y ait eu ces moments iconiques pour contrebalancer les côtés négatifs. Voilà, voilà. Canada ensuite, saison. Alors ça, c'est la saison 4. Mais maintenant, c'est qui est la 2, qui est la 3? Ça, c'est la 3, non? Attendez. Moi, la promo de la saison 2. Ok, donc c'est la saison 3. Donc saison 3, qui voit du coup la victoire de notre toute première québécoise. Qui est notre chère et tendre Giselle Lullaby, l'espace d'un instant, j'ai oublié son nom. Je la mettrai en C aussi. Honnêtement, il y a eu de bons moments, mais c'est clairement pas la saison qui m'a le plus marqué. On est dans la moyenne. Mais si. Alors, c'est assez paradoxal, mais En fait. Je préfère Canada saison 1 qui a des plus gros soucis de jugement et qui est beaucoup plus douteux que Canada saison 3. Canada saison 3 n'est pas mauvaise, mais il manque vraiment un charme. Il manque quelque chose. On est toujours dans la malédiction de la saison 3. Après, Canada, c'est probablement ceux qui ont eu la moins brusque en termes de malédiction. Donc, je vais la mettre en C parce que. Je sais pas, c'est pas vraiment une saison qui me marque. Il y a eu des dramas, il y a eu des trucs. Il y a eu quelques moments où tu disais, ouais, c'est drôle. C'était la première saison où vraiment Brooklyn a pris son rôle d'host au sérieux. Enfin, au sérieux, où elle a vraiment step up. Vraiment, ça faisait plaisir. Bref, Canada saison 3,
C'est là, c'est bien, mais sans plus. Voilà. On passe ensuite à Canada 4, la dernière sortie, et je vais la mettre en A. Canada 4 est pour moi la meilleure saison de Canada qu'on ait eue. Et mon dieu que le début était catastrophique. Le premier épisode de Canada 4 est sans aucun doute l'un des pires épisodes de cette franchise. Et pourtant, cette saison a réussi à retourner le tout avec le Golden Beaver, Venus qui a remporté. Alors après, il y a des côtés négatifs. Plus on avance dans Canada et moins la francophonie est mise en avant, ce que je trouve assez dommage. Néanmoins, j'ai commencé vraiment à apprécier et tomber amoureux de toutes les queens, quelles qu'elles soient. Même Girlfriend Experience, où je la critiquais par rapport au fait qu'elle montrait son corps. Au final, moi, ce qui me dérangeait, c'est pas vraiment le fait qu'elle montrait son corps. J'adore le cabaret, donc forcément, tout ce qui est burlesque et montrer son cul, c'est quelque chose que j'ai l'habitude et que j'aime. Mais ce que je critiquais, c'est surtout le fait qu'elle faisait la remarque en mode « Oui, on me limite juste à étant un corps », alors que juste avant ça, t'étais en mode « Girl, tu définis ton drag comme étant montrer ton corps, mais tu critiques les gens parce qu'ils disent que ton drag, c'est montrer ton corps ». Voilà, c'est juste le fait que c'était pas très cohérent que je critiquais. Néanmoins, au-delà de ça, ça reste une très très bonne saison. C'est vraiment la saison qui a prouvé que tu peux avoir un mauvais début et quand même sauver le coup. Donc vraiment, très bonne saison de Canada, saison 4. J'ai pas vraiment apprécié le thème de la promo où c'était en mode les dieux de l'Olympe et tout, j'appréciais pas. C'était pas mon truc, ça m'intéressait pas. Bref, dans tous les cas, très 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 bonne saison 4 de Canada 4. Mais vraiment le fait qu'on ait de moins en moins le côté francophone qui soit mis en avant, ce qui est assez dommage parce qu'on a une deuxième gagnante francophone qui est Vénus. Hein. Vénus est une gagnante et parle français, elle est francophone. Et il y a des détails à la con que je regrette, genre par exemple quand Gisèle Lullaby discute avec les finalistes, elle discute avec Denheim et elle discute avec Vénus qui sont deux francophones mais ils discutent en anglais. Et je me dis, oui, je sais bien que la franchise est anglaise, mais ils pourraient les laisser discuter en français, parce que le Canada reste quand même un pays avec deux langues, et je pense qu'ils pourraient avoir le droit de parler en français, ce serait bien. Et je trouve dommage qu'on leur permette pas. Et après, là, on rentre dans les débats très nationalistes au Canada, vis-à-vis de la francophonie et de l'anglicisme. Il y a un vrai véritable affrontement. Il est très régulier de voir des vidéos dans la chambre des représentants canadiens où t'as des députés francophones qui insultent les anglais en disant « Je t'emmerde, j'ai le droit de parler français, va te faire enculer ». Voilà, c'est très drôle à chaque fois. Donc je trouve ça dommage, c'est que Canada perd un peu ce côté, on va dire, très friendly vis-à-vis de sa culture, du fait qu'il y ait deux langues. Mais d'un autre côté, cette saison est exceptionnelle et pour moi, c'est ma saison préférée de Canada. Donc félicitations Canada 4, c'est vraiment le début était catastrophique, mais vous avez réussi à relever la barre, donc félicitations. Après ça, nous avons Canada saison 2. Canada saison 2. Je vais la mettre en B. Canada saison 2, c'est bien, mais sans plus. Voilà, c'est... Il y a eu Isis qui a totalement slay, qui était fabuleuse, qui était incroyable et stunning. Il y a eu de bons moments, il y a eu quelques dramas, bien évidemment, parce qu'une saison de Drag Race sans drama, c'est pas une saison de Drag Race. Voilà, c'est vraiment une saison qui a fait le taf, qui a fait le café. C'était agréable à regarder, mais là aussi, on est face à un paradoxe, c'est que Canada Drag Race est beaucoup plus douteux vis-à-vis de ses juges, vis-à-vis des décisions qui ont été faites. Mais à côté de ça, je préfère regarder Canada 1 à Canada 2, tout simplement parce que le cast de Canada 1 vraiment porte la franchise. Vraiment, pour moi, ce qui a sauvé la première saison de Canada, c'est son cast qui l'a porté à bout de bras et qui était très différent, très diversifié, très iconique. Et c'est ce qui a porté vraiment ce casting, donc félicitations. Je dirais que Canada 2 est en dessous de Canada 1, mais c'est pas au niveau de Canada 3. Voilà, c'est une bonne saison. Donc félicitations. Ensuite nous passons à RuPaul's Drag Race UK saison 5. C'est ma saison préférée de 2023. Je vais la mettre en A. UK saison 5, c'est une saison où je m'attendais à rien. Où il y a eu beaucoup d'épisodes sans élimination. Et pourtant cette saison était géniale sur bien des aspects.
Le rousicole était un vrai rousicole original et incroyable, vraiment. Il y a eu vraiment de très 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 bons moments avec ce rousicole. Après, on a aussi eu des challenges où j'étais pas très d'accord avec les outcomes, genre le makeover. Mais ça reste vraiment une saison exceptionnelle, très bonne. Aussi quelques lip-syncs qui étaient assez surprenants, ce qui est assez surprenant de UK parce que c'est pas forcément la franchise où t'attends de bons lip-syncs. C'est plus du côté de US que tu vas attendre des lip-syncs. Mais vraiment, cette saison de UK a été exceptionnelle. Vraiment, c'était incroyable. Le trio de tête à la fin, Tomara, Thomas et tout, était fabuleux. Incroyable, beaucoup de fortes personnalités et de fortes personnes qui peuvent revenir. Même Banksy, genre par exemple, qui est l'une des premières éliminées, je crois que c'est la deuxième ou troisième éliminée, je dis, elle est incroyable et elle est stunning. Donc vraiment, c'est aussi une saison qui a une moyenne d'âge très âgée. C'est beaucoup de drag queens expérimentées. Alors on en a qui sont un peu plus jeunes, mais même Didilicious, qui est assez jeune et très expérimentée, parce que c'est la sœur drag de Crystal Versace. Très expérimenté, très drôle. On a vraiment eu des drags très différents et très uniques. Mais pourtant, UK saison 5 a assuré le coup et vraiment prouvé que tu pouvais être une bonne saison. Donc, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié UK saison 5. Pour moi, c'était une très, très, très bonne franchise. Donc, félicitations, UK saison 5. All Stars. Et ça, c'est la saison 1. Alors, All Stars saison 1. Ouh là là. Ouh là là. All Stars saison 1 a pendant eu très longtemps eu la réputation d'être la pire saison de Drag Race qui soit. C'était très mauvais. L'idée de faire participer les queens en équipe de deux était très mauvaise. La saison était très courte, il n'y a pas eu de Snatch Game dans cette saison, ce qui était catastrophique. Enfin si, il y a eu un Snatch Game, c'était le truc avec les portes et les volets, mais c'était pas vraiment un Snatch Game, ça s'appelait pas un Snatch Game, c'était quelque chose de différent. Il y a eu vraiment... Le casting déjà de d'une est exceptionnel et légendaire. Beaucoup de queens des saisons 1, 2, 3 et 4. Incroyable. C'était vraiment fabuleux. On a eu des moments assez à la fois iconiques et gênants, genre par exemple avec Chad Michaels et son obsession à l'époque pour Hunger Games. Voilà. J'ai re-regardé récemment All Stars 1. Et honnêtement, pendant mon visionnage, j'ai été surpris de... Mon Dieu, je m'attendais à pire. En fait, All Stars saison 1 m'avait tellement laissé une mauvaise image dans l'esprit. Quand j'ai re-regardé All Stars saison 1, je me suis dit, c'est pas si mauvais que ça. Et même genre le truc qui a remplacé le Snatch Game avec Tamin Brown, qui était absolument iconique et drôle, bah, c'était bien. Il y a eu des défis aussi très originaux, genre on a eu par exemple le Stand-Up Comedy Challenge, où ils étaient dans un bar et ils devaient faire de la stand-up comedy au micro. On a eu aussi, c'était aussi le moment où Drag Race n'était pas aussi connu, donc on avait des défis à l'extérieur, où genre les queens étaient dans les rues de Los Angeles à dire des conneries. Ça, c'est genre le truc où, par exemple, les saisons modernes, parce que c'est tellement connu, ne pourraient pas se permettre de faire ça. Et je trouve ça un peu dommage, mais vraiment, c'était très très drôle. C'est une saison qui a très déçu, tellement déçu et était mal réceptionnée que ça a tué All Stars pendant 4 ans. Parce que All Stars 1 est sorti en 2012 et All Stars 2 est revenu d'entre les morts en 2016, si je me rappelle bien des dates. Donc, il y a quand même eu un gros laps de temps entre les deux All Stars à cause de l'échec qu'a été All Stars 1. Néanmoins, avec le temps, et aussi avec le fait qu'il y a eu d'autres franchises, et des franchises plus mauvaises, bah, tu regardes maintenant en perspective, tu sais, tu te recules et tu te dis, bah, finalement, All Stars 1, c'est très brouillon, c'est très chaotique. Il y a des moments tellement iconiques que vraiment c'est pas si mauvais que ça, donc je mettrai ça en... Je mettrai ça là. Voilà, je mettrai ça ici. Pour moi, All Stars saison 1, c'est vraiment une franchise qui était... C'était mauvais, mais c'était pas si mauvais que ça. Si vous voyez où je veux en venir. Il y avait eu pire. Voilà, c'était pas si mauvais que ça. Il y avait eu pire. Et honnêtement... J'ai passé un bon moment quand j'ai re-regardé All Stars 1 récemment. J'ai passé un très bon moment.
Et c'était très agréable et j'étais surpris, je m'attendais à détester. Et au final, quand tu re-regardes, tu fais: ah non, c'est pas si mauvais que ça, c'est très drôle et c'est vachement divertissant. Donc vraiment, le cast et le côté divertissant remontent cette saison. Et je pense que c'est une saison où vraiment, si vous avez détesté, re-regardez. Parce que vraiment, c'est une saison courte et c'est... Avec le temps, c'est vachement drôle en fait. C'est tellement... En fait, il y a tellement de choses qui vont pas que ça en est hilarant. Donc vraiment, j'ai apprécié. Donc félicitations, All-Stars 1. Pour moi, t'es pas si catastrophique que ça. Ensuite, nous avons... C'est quelle saison ça? One eternity later. Alors attendez, All-Stars 5. C'est All-Stars 5! J'ai trouvé quelle était la franchise. C'est All Stars saison 5. Voilà. All Stars saison 5. D. Ah, alors All Stars saison 5, honnêtement, c'est une saison que j'aime pas. Pour moi, All Stars saison 5 est la pire All Stars qu'on ait eue à ce jour. Je préfère re-regarder All Stars saison 1. All-Star 5. Pourquoi me diriez-vous? Cette saison a très clairement été pensée pour être la saison où Shea Couleé allait gagner. Parce que Shea Couleé a perdu en finale face à Sacha Velour. Et elle aurait dû gagner la couronne. Mais Sacha Velour a, dans le lip-sync de finale, totalement retourné la situation avec son célèbre reveal. Et Shea Couleé a perdu. Et pour moi, cette saison a été clairement set-up pour la victoire de Shea Couleé. C'était leur mode. T'aurais dû gagner la saison 9, donc on va te donner une saison où tu vas gagner la couronne. Sauf qu'il y a eu énormément de trucs. Donc déjà, par exemple, Derrick Barry, qui a été la première éliminée, pour moi, c'était pas juste. Mimi, I'm first. On a eu Alexis Matteo, on a eu Jujubee, on a eu... C'est une saison qui, pour moi, était très brouillon. C'était la saison après la saison 4. C'était la première saison avec les lip-sync assassins. Il y avait eu de bons lip-sync, genre Ivy Oddly par exemple. Mais il y a d'autres lip-sync où tu disais mon dieu que c'était catastrophique. Et All Star 5 pour moi déjà d'une était setup, très clairement pour la victoire de Shea Couleé, ce qui était assez décevant pour les autres. Pour moi c'est également la saison où Jujubee avait une véritable chance de gagner. C'était vraiment si une saison que Jujubee aurait dû gagner c'était celle-là. On a eu Miss Cracker qui a été un peu mise de côté. All Star 5 pour moi me laisse un très mauvais goût dans la bouche en fait. C'est vraiment une saison que je n'apprécie pas. J'ai re-regardé All Star 5 et c'est une saison que j'apprécie pas. Pourtant le casting, tu le regardes sur le papier, tu dis mon dieu c'est bien mais ça fonctionne pas en fait. Voilà, c'était le début des lip-sync assassins, du nouveau format, c'était mal fait, c'était brouillon, c'était... All Star 5, c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas ma tasse de thé, je suis désolé. Pour moi, All Star 5, c'est en D. Je préfère mille fois regarder UK 3, Canada 3 ou encore RuPaul's Drag Race All Stars 1. Je préfère mille fois regarder ces saisons-là que de me mater All Star 5. Voilà. Après, c'est pas le fond du fond, il y a pire. Mais All Star 5, pour moi, était mauvaise. C'était une mauvaise saison. Pour moi, c'est le pire All Stars. Parce que vraiment, All Stars 1... qui est le deuxième pire et meilleur que All Star 5. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah, Dragasvelia. Nous avons la Suède. Alors, la Suède... Ah, Suède. Suède, je suis partagé, Suède. Suède me tiraille parce que d'un côté, mon cerveau me dit mets-le en B. D'un autre côté, mon cœur me dit mets-le en A. Parce que j'ai tellement apprécié Suède, c'était vraiment le côté old school. Toutes les queens étaient très diversifiées et différentes. Anne-Myra était incroyable. J'avais bien évidemment notre cher Soleil du Mexique, qui malheureusement, à une saison près, elle aurait été... Eh, soyons francs, Fontana aurait été plutôt dans Drag Race, elle aurait été l'host de Brésil. Hein. Ça aurait jamais été Drag Queen. Hein. Et ouais. Je vais la mettre en A. Je vais la mettre en A parce que c'est vraiment une saison. Il y a des trucs, c'est iconique. Il y a aussi des runways incroyables. Fontana, Anne-Myra ont dominé cette saison. On a aussi Vanity, l'autre finaliste. Comment elle s'appelle? C'est Vanity, hein? Attendez. Comment elle s'appelle?
Je vais sortir le téléphone et on va regarder. C'est quoi son nom, darling? J'ai oublié les noms de certains. Mais genre, par exemple, on avait des queens fabuleux dans Suède saison 1. Vraiment, c'était une saison... Beaucoup de personnes l'ont pas regardé. Et j'ai poussé beaucoup de mes amis à regarder Suède. Je leur ai dit, regarde. Et en fait, ils n'étaient pas attirés. Ils disaient, ouais, j'ai pas envie de regarder Suède. C'est un peu décevant et tout, j'ai pas envie de regarder ça, ça a pas l'air ouf. Et au final, quand ils ont regardé, ils ont dit, j'ai tellement passé un bon moment. Et vraiment, c'est une saison où, genre, les défis, les challenges, tu t'en branles, c'est vraiment le cast qui porte cette saison. Pour moi, c'est un peu comme Canada 1, c'est vraiment le cast qui porte la saison. Sauf qu'à la différence de Canada 1, les décisions des juges n'étaient pas aussi, comment diront, douteuses. Voilà, c'était pas aussi douteux. Il y avait quand même des choses vachement bien. Donc, pour moi, c'était une bonne saison. Il y a des gens genre Fontana, Vanity Vane. Je veux les revoir dans un All-Stars. Genre un UK versus the World, un Global All-Stars. Je veux les revoir. Donc, pour moi, c'est vraiment une excellente saison. J'ai passé un très bon moment. Et si vous passez un moment où juste vous avez envie de regarder du bon vieux Drag Race à l'ancienne, avec le Kiki... Où les queens se crachent dessus, mais au final, tu sais, elles se crachent dessus, elles sont méchantes entre elles, mais elles s'aiment toutes et... Ah! C'est une saison incroyable. Pour moi, UK et Suède saison 1, c'est vraiment le underdog, c'est celle qui est vraiment très souvent oubliée. C'est une saison qui s'est un peu fait oublier dans la masse, parce qu'il y avait la saison 15, il y avait Belgique saison 1, il y avait plein de choses qui sortaient en même temps, mais vraiment... Suède saison 1 est vraiment une saison qu'il faut regarder parce que c'est vraiment une saison où j'ai passé un excellent moment, c'était très divertissant. Après, beaucoup de personnes s'arrêtent à la barrière de la langue. Moi, personnellement, j'ai déjà regardé beaucoup de séries suédoises par le passé, au-delà de Young Royals par exemple. J'ai regardé beaucoup de séries suédoises et j'étais déjà habitué à la sonorité de la langue suédoise, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. J'adore la sonorité de cette langue, un peu des langues nordiques. J'ai regardé beaucoup de séries norvégiennes, suédoises, des pays du Nord. J'ai regardé vraiment beaucoup de séries qui n'ont jamais été diffusées en France, où t'es obligé d'utiliser des VPN pour regarder là-bas. Bon bref, c'est un bordel monstre. Et c'est vraiment des séries que j'adore, et c'est vraiment des trucs très particuliers. Et j'adore cette saison de Suède, saison 1. Vraiment, saison 1 de Suède, c'est une bonne saison. Donc, félicitations, Suède. Ensuite, nous avons... C'est qui? Je reconnais cette wig. Attendez, c'est Espagne? Non. Espagne 1, 2 et 3 et All-Stars sont là. Italie 1, 2, 3 sont là, Mexique 1, Philippines 1, 2, Hollande 1 et 2, France 1 et 2, Belgique 1 et 2, Germanie, là, US, Down Under 1, 2, oui, Down Under 3, je vois pas Down Under saison 3, c'est saison 3 de Down Under? Non, c'était le thème des pirates, c'est pas eux, non, ils sont là. Brésil. Mais c'est qui? C'est UK? Oh, UK 4? Attends, non. UK 4, ils sont... Ah, vraiment, ça, c'est la partie du truc. C'est trouve la saison. Il y a UK... Alors là, c'est UK 4. On a parlé de UK 2. Est-ce que c'est UK saison 1? Oh là là, c'est vraiment la partie où t'es obligé de te battre. UK saison 1. C'est UK saison 1, oh mon dieu. C'est vraiment la partie où tu te... Les promos des fois, c'est clairement des promos oubliables. Et celle de UK saison 1 est l'une des plus mauvaises et des plus oubliables. Donc je n'avais même pas reconnu que c'était UK saison 1. Ouais. Donc RuPaul's Drag Race UK saison 1, la première saison de UK... Non. C'est dans A. Pour moi, UK saison 1 est dans le A. C'est pas le S tier. Le S tier, je le garde vraiment pour les saisons exceptionnelles. Les saisons où c'est... Voyez-vous, c'est les saisons over the top. Donc pour moi, UK saison 1... Je préfère UK saison 2 à la saison 1, donc je peux pas... Pour moi, il y a vraiment un gap
en termes de préférence entre la saison 2 et la saison 1. Je préfère la saison 2 bien au plus que la saison 1, donc je mettrai UK en A, ce qui est c'est déjà une très bonne note. UK saison 1 et... C'est une très bonne saison. C'est la première saison de UK. Y a eu des moments assez iconiques. Le nose, par exemple, le moment avec Michel Visage, avec le, nose, le nez de Vivienne. Il y a eu des trucs incroyables. Un casting fabuleux. Vraiment. Bagat Chips, qui a été une révélation. Le Snatch Game de UK saison 1 entre Vivienne, qui joue Donald Trump, et Bagat Chips qui joue Margaret Thatcher, et les deux sont en train de flirter et de se read. Oh là 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 là! Iconique! Ce truc de UK, c'était iconique, ce Snatch Game. C'était des défis iconiques, de bons runways aussi. Vraiment, UK saison 1, c'est une excellente saison. C'est une saison très 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 forte. Je l'adore. Il y a 2-3 membres du cast qui sont un peu en deçà, mais vraiment, ça reste une très bonne saison. Honnêtement, je sais pas quoi dire de plus, hein. UK saison 1 est une très bonne saison. D'ailleurs, by the way, UK saison 1, la promo de UK saison 1, alors pas l'image, mais la vidéo qu'ils avaient fait où toutes les queens étaient un peu en mode « Oh mon dieu, il y a RuPaul qui arrive » et c'était en mode très britannique, c'était très british. J'adore cette promo et ça me manque un peu. Les promos de Drag Race, c'était un peu les promos de Drag Race à l'ancienne parce qu'aujourd'hui, on est plus dans des promos où c'est genre les queens devant un fond vert et elles bougent dans leur tenue de promo puis après elles discutent face caméra. Là, c'était vraiment une petite mise en scène d'une minute trente, un peu comme pour la saison 6 et c'était vraiment incroyable. C'était très drôle, c'était hilarant, c'était camp et pour moi, c'est vraiment l'image de promo, les looks de promo ne rendent clairement pas hommage. C'est oublier ces looks, oublier ce photoshoot, allez voir la vidéo de UK saison 1, la promo avec les avec RuPaul qui arrive en mode UK Queens. Mother has arrived. Et là, t'es en mode, oh là là, très drôle. Pour moi, UK 1, c'est une très forte saison, très bonne, et j'ai apprécié. Voilà. C'est vraiment une très bonne saison que j'ai beaucoup appréciée. On passe ensuite à UK vs. The World, saison 2. Alors, je suis très en retard dans mes récaps, mais ils sont tous tournés. Voilà. Donc, j'ai tourné tous mes récaps. UK vs The World saison 2. Beaucoup de personnes reprochent que Tiakoti a gagné. Alors déjà d'une, il y a une part de racisme, je pense, sur le fait qu'elle ait gagné par certains. Mais il n'y a pas que du racisme, c'est aussi surtout le fait que Marina Summers était très forte et une favorite des fans. Pour moi, UK vs The World aurait été une saison, on m'aurait dit il y a deux gagnantes. C'est une double victoire, c'est genre un tie comme All Stars 4. J'aurais dit ok. Vraiment, c'est pour moi en fait, UK vs The World a deux vraiment de bonnes personnes. Il y a beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs. C'est que d'un côté, en positif, il y a Tiakoffi. Vraiment, cette saison est une rédemption pour Tiakoffi. Elle avait une run très moyenne dans la saison 2, mais elle était déjà très iconique et elle s'est vraiment rachetée dans UK vs The World. Toutes ses victoires étaient méritées, elle a fait un très bon travail. Bon, vous me direz, certes son Snatch Game n'était pas aussi incroyable que ça, mais tu fais le Snatch Game de UK vs The World était tellement mauvais que c'était pas difficile d'être dans le top. Hein. Vraiment, c'était pas difficile. Genre, vous aviez le groupe où il y avait Marina, la grande dame, Gotti et tout, tu leur disais, tu étais comme ça, tu étais en pleine descente. Marina encore, c'est celle qui allait. Marina, c'était vraiment celle des quatre, ça allait. Mais tu regardais les autres, la grande dame et tout, tu disais, mais mon dieu, je suis en train de dépérir devant Snatch Game, c'est de la merde. Voilà, t'es comme ça, tu dis, mais c'est de la merde. Voilà, c'est mauvais. Et d'un autre côté, il y a eu des moments très iconiques. L'hommage de Tiakoffi à Cherry Valentine. Le challenge de danse était aussi incroyable. D'ailleurs, très bonne performance de la grande dame dans ce challenge de danse. Je ne l'attendais clairement pas là. Je pensais qu'elle allait être mauvaise, mais elle a prouvé qu'elle était extrêmement forte dedans. Avec Tiakoffi, c'était très bon. Très, très bon. Très, très bonne saison. Même la finale était très divertissante, très amusante. J'ai adoré le côté où ils ont fait la réunion au début de la finale, puis il y a eu le déroulé de la finale avec le lip sync et tout, c'était vraiment une très bonne idée, j'ai adoré la dynamique, c'était une finale très agréable à regarder. Marina Summers a été malheureusement éliminée au premier tour et c'est Anaconda et Tiakoffi qui se sont affrontés pour le dernier lip sync.
Je pense que Anaconda a très clairement été set-up pour gagner son lip-sync contre Marina, ça ne fait aucun doute. Néanmoins, j'apprécie également Anaconda, elle a eu une très belle run, très efficace, et... Ouais, pour moi, Tiakofi est la bonne gagnante, elle avait le meilleur track record, elle a eu une bonne rédemption. D'un autre côté, en fait, c'est simple, là, c'est UK vs The World saison 2, c'est le problème du... Marina est la favorite des fans, Tiakofi est celle qui mérite de gagner. Vous voyez où je veux en venir? C'est que t'as celle qui, objectivement parlant, tu regardes les challenges, tu regardes la saison. Aussi, ce qui est intéressant dans un All-Stars, c'est l'évolution. Prouver que tu as grandi et évolué. Marina a grandi, certes, mais la plus grande évolution de cette saison, la plus grande découverte, c'était Tiakofi. Moi, dès le premier épisode, j'ai vu Tiakofi arriver, je me suis dit, mon dieu, elle va être mauvaise. Voilà, je me suis dit, elle va partir très vite et elle va pas aller loin. Et elle a prouvé le contraire, qu'elle pouvait gagner la couronne et tout. Et j'étais comme ça, elle m'a claqué mon bec. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de voir dans un All-Star, c'est de voir une Queen qui n'a pas forcément bien fait dans sa première saison, totalement slay, et vraiment être incroyable. Donc pour moi, UK vs The World saison 2, beaucoup de personnes ne sont pas contentes que Marina n'ait pas gagné. J'ai adoré Marina, vraiment. Pour moi, Marina et Tia étaient les deux front-runners. Anaconda en troisième. La grande dame, c'est un miracle qu'elle n'ait pas été éliminée plus tôt. Après, je dis ça, mais genre le challenge de danse ou encore le Rosie Cole, ça allait. C'était bien mieux. J'apprécie bien mieux la grande dame. Mais genre le début de saison, pour moi, la grande dame était rough. Voilà, la grande dame a commencé à se révéler à partir de la deuxième saison. Et l'une des critiques que j'ai à faire dans la grande dame sur cette saison globalement, c'est que dès qu'on lui demandait de faire quelque chose qui sortait de sa zone de confort, elle se bourrait le crâne en mode « je peux pas le faire ». En fait, ce qui m'énerve, c'est que la grande dame est quelqu'un de très talentueux et d'intelligent. Et tu te dis, girl, pourquoi tu te bourres autant le crâne? Tu peux le faire. Si tu veux, tu peux réussir. Elle était comme ça, elle était en mode... Oh, genre, par exemple, le roast, elle était en mode, ouais, c'est pas un truc qu'on fait en France. Pardon? Il n'y a pas de roast? Il n'y a pas de comédie stand-up en France? Il n'y a pas de roast? C'est pas parce qu'on n'utilise pas le terme roast qu'il n'y a pas de roast en France. Dire ça, c'est une véritable connerie. Et en fait, elle s'est tellement bourré le crâne en se disant « Ouais, on fait pas ça en France, donc forcément, je serai mauvaise. » Au final, elle a fini dans le bottom et t'étais comme ça, t'es en mode « T'avais l'espoir d'être fun !» La grande dame est quelqu'un de drôle. Et en fait, elle se sabote. Et ça, ça me gave. C'est que la grande dame se sabote et ça m'insupporte. Donc pour moi, UK vs The World saison 2, c'est une saison qui a laissé vraiment un goût amer en bouche. Si vous me demandez, je la mettrai en B. Peut-être qu'à l'avenir, en regardant cette saison, elle sautera peut-être en A, un low A, genre un petit bas, vraiment le bas du A, au B, petit A. Mais ça reste une bonne saison à regarder. B, c'est dans la moyenne, c'est la moyenne haute, c'est bien. Mais il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Mais voilà, vraiment pour moi, cette saison est une saison qui a eu énormément de soucis et énormément de côtés positifs, donc... C'est un peu le yin et le yang. Voilà, cette saison, c'est un peu très particulier. C'est une saison où, pour l'instant, elle est sortie il n'y a pas longtemps. On n'a pas encore assez de recul. Mais pour moi, c'est une bonne saison malgré tout. Bien meilleure que UK vs The World saison 1, sans aucun doute. On arrive à Drag Race France. Je vais mettre Drag Race France en bas. On en reparlera à la fin. On parlera de Drag Race France à la fin, les gens. Voilà. Voilà, donc saison 1 de Hollande. Ah. C'est vraiment pas une bonne saison. C'est pas une bonne saison. Je crois d'ailleurs c'est... Oula. D'ailleurs, c'est l'une des saisons qui a l'une des plus mauvaises notations. Alors, pas pire que la 2. Mais je crois que la 1 est très basse. Et... Hollande saison 1, vraiment, je me tiraille. Je vais la mettre en D. Parce que même All-Star 5, pour moi, All-Star 5, c'est, tu vois, haut du D. C'est le haut D. Hollande saison 1, c'est le D. Genre, All-Star 5, limite, un jour, peut-être, elle bumpera en C, mais elle est là. Et Hollande, saison 1, elle est là. Il y avait des choses incroyables, genre, Envy Peru était fabuleuse dans cette saison. C'est l'une des drag queens et des meilleures gagnantes, je pense, de la franchise. J'aimerais beaucoup la voir dans un international.
Mais cette franchise était très brouillon. C'était une saison 1 très problématique. Sur bien des aspects, il y avait beaucoup de problèmes. Pour moi, le plus gros problème, c'était par exemple les lip-syncs. Que des chansons, genre du Kylie Minogue. Enfin, pas du Kylie Minogue, c'était du Katy Perry, du Lady Gaga. Et c'était des trucs basiques et génériques que tu voyais dans US. Et quand tu regardes une franchise internationale, c'est pas pour regarder des lip-syncs que tu peux avoir dans US. Voilà. Donc c'était assez décevant. Hollande saison 1 a été une véritable source de déception. Pour ma part. Voilà, vraiment. Pour moi, c'était une source de déception. Après, c'était pas si mauvais que ça. Beaucoup de personnes vous diront que c'était catastrophique et mauvais. Non. C'était pas si catastrophique et mauvais que ça. Il faut quand même pas abuser. Il y a des limites à la connerie. Pour moi, c'était mauvais. C'est clairement un D, mais c'est pas la pire. Par contre, Hollande saison 2, on peut la mettre en F. Hollande saison 2, je pense que là, ça ne fera aucune contestation. C'est l'une des pires saisons. Je crois que c'est la saison qui a la plus mauvaise notation sur IMDb, de l'histoire. Voilà. C'est une saison où littéralement, tu peux dire que l'élimination d'une queen a causé l'annulation de la série. Voilà. Keta Minaj, qui était dans UK vs The World saison 2, a été éliminée aux portes de la finale. Keta Minaj aurait dû remporter cette saison. C'était un fait. Keta Minaj était la gagnante. La fan favorite, les gens adoraient Keta Minaj, adoraient son parcours, mais elle a été éliminée en demi-finale, ce que je comprends. Et je vois l'élimination. En fait, c'est vraiment une saison où il y a eu beaucoup déjà de problèmes au niveau des juges, des décisions qu'ils ont prises, et l'élimination en fait de Keta Minaj a été le clou dans le cercueil. Ça a été tellement catastrophique que je crois que c'est encore aujourd'hui l'épisode le moins bien noté de l'histoire de la franchise. C'est le pire épisode de la franchise en termes de notation. Donc pour moi, Hollande saison 2, après j'adore par exemple, c'est paradoxal avec Hollande, c'est que les saisons sont mauvaises, mais il y a beaucoup de queens que j'adore, genre Vanessa Van Cartier, elle est très gentille, elle me fait rire, elle est hilarante, Envy Peru, je l'adore, c'est d'ailleurs sa daughter. Voilà, c'est les deux gagnantes de Hollande sont Daughter et Mother. Voilà, c'est la fille drague et la mère drague qui ont gagné les deux saisons de Hollande. Mais vraiment, l'élimination de Keta Minaj a été le clou dans le cercueil. Il y a eu des choix et des choses très bizarres. Après, il y a eu de bons challenges. Genre, il y avait des mini-défis un peu. Ou genre, c'était dans le hangar, mais c'était drôle. Mais vraiment, c'est une mauvaise saison. Après, à l'occasion, si tu te fais vraiment chier, que tu as juste envie de revoir les personnalités, tu peux regarder Hollande. Mais ça s'arrête là. Voilà, voilà. Hollande saison 2, c'était catastrophique. C'était une catastrophe. Et la franchise a été annulée après Hollande saison 2. Et ça a été justifié. Hein. Son élimination était totalement justifiée. Voilà. Philippines saison 2. Oh. Oh. Philippines saison 2. Ah, là on est face à un cas d'école, je pense. Philippines saison 2, c'est un cas d'école. C'est très bien sur bien des aspects, mais il y a énormément de choses qui vont pas aussi. Je vais me faire un café pour réfléchir et je reviens. I'm back. Donc, Philippines saison 2, ce sera là. Ce sera. J'hésite entre B et A en fait pour Philippines saison 2. Parce que Philippines saison 2 avait de très bons moments, mais il y avait aussi des moments où tu disais. Je vais la mettre en A. Pour moi, Philippines saison 2, c'est une bonne saison. Il y a eu des flows. Genre l'hosting où tu voyais ce qu'elle portait, tu faisais girl. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une diminution de budget. Il y a eu des invités incroyables et fabuleux. Il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Il y a eu des épisodes où il n'y avait pas tant de budget que ça et c'était un peu mauvais, genre le rousicole. Mais le reste, globalement, très bon cast. Très bonne gagnante. Très bonne saison, globalement. Donc pour moi, c'est un bon A. J'allais la mettre en B. Au début, je me suis dit B ou C, mais au final,
Quand tu prends le recul et tu regardes en perspective les autres saisons, pour moi, Philippines saison 2 est meilleure que les autres. Et en dessous. Voilà. Voilà, c'est dit. Pour moi, Philippines saison 2, ce sera un A. Voilà. Ah, d'ailleurs, on passe à Belgique juste après. Attendez, il n'y a pas Philippines saison 1 qui se balade quelque part. Comme ça, on fait Philippines saison 1. Allez là. Philippines saison 1. Je vais la mettre en B. Ah, Philippines saison 1, tu me poses problème. Ah, d'un côté. D'un côté, oui. D'un côté, non. D'un côté, c'est... Ah, oh là là. Le dilemme. Je sais pas. Il y a quand même eu Marina Summers. En fait, le problème, c'est qu'il y avait Marina Summers qui aurait dû gagner Philippines saison 1. J'aurais mis en A, mais vu que j'étais team Marina Summers et que j'ai pas été très content de la résolution de cette saison, même si elle était bonne, c'était pas une meilleure saison, mais c'est une pour une saison 1, c'était bonne, je la bump en B. Je préfère la saison 2 à la saison 1. Même si notre host, entre-temps, a eu un downgrade, je préfère la saison 2 à la 1, donc je la mettrai en B. Un OB. Voyez-vous, pour moi, c'est comme Canada. C'est OB limite A. Voilà, c'est dans le haut, c'est dans le top. Ça pourrait passer en A. Mais quand tu vois le A, tu te dis, ouais, non. Voilà, c'est triste. Après, il y en a qui vont me dire, oui, t'as mis Suède en A. Oui, mais Suède, pour moi, je suis totalement biaisé là-dessus. Vous le savez, je vous le dis, je suis pas du tout honnête et franc avec. J'ai adoré Suède. Voilà, c'est vraiment mon goût personnel qui l'a fait bump en A, parce que si c'était mon cerveau qui parlerait, je la mettrais en B. Mais, voilà, Philippines saison 1 était incroyable. Mais je préfère la 2. Voilà, donc, un petit cran en dessous. Voilà. On passe aux franchises de notre cher ami du Nord, de la France. Notre chers amis belges sont ici. Drag Race Belgique. Alors, Drag Race Belgique, qui est une franchise très détestée et très aimée. Alors, j'ai discuté avec beaucoup de monde pour Drag Race Belgique. Beaucoup, beaucoup de monde. Et j'ai remarqué une chose, c'est que tous les Belges avec qui j'ai discuté adorent Belgique et que ceux qui n'aiment pas Belgique sont français. Donc... La question demeure. Alors après, il y a des exceptions dans les deux cas. Il y a des Français qui aiment Belgique, genre moi. Mais il y a aussi des Belges qui n'aiment pas Belgique. Donc c'est un peu... C'est une question très paradoxale, la franchise. Beaucoup de personnes reprochent à Rita Baga d'être une mauvaise host. Pour moi, c'est une host très bonne. Elle est différente des autres. Elle est très old school, très cabaret. C'est ce que j'adore. C'est une franchise qui met vraiment le cabaret et le old school en avant. Est-ce que c'est la meilleure franchise de tous les temps? Non. Non, non, non. Non. Pour moi, Belgique mérite un bon B. C'est dans la moyenne, haute, mais pas plus haut. C'est bien. Belgique saison 1 était bien. Il y a eu des moments où genre j'étais en mode « What the fuck, c'est quoi ces gagnants ?» Genre Suzanne. Il y a eu des lip-syncs où j'étais en mode « C'est quoi ces soit de chansons ?» Mais on m'a expliqué que c'était pour attirer de l'audience. C'est dommage, mais on comprend. Néanmoins, Belgique, contrairement à d'autres franchises, France, n'a pas renié l'héritage de son drag et de sa scène et de sa culture. L'embrasse entièrement. A vraiment des figures. En fait, pour moi, c'est vraiment le cast qui relève le niveau chez Belgique. Pour moi, c'est le cast qui relève le niveau. Donc pour moi, je mettrais Belgique en B. Pour la saison 1. Du moins. Drag Queen, pour moi, est sans aucun doute l'une des meilleures gagnantes de l'histoire de Drag Race. Elle est incroyable en termes d'esthétique, de talent. Et aussi de ce qu'elle a fait avec sa victoire. Elle a été très, et elle est encore aujourd'hui très dans tout ce qui va être l'aide, dans les associations et tout. Elle est incroyable. Pour moi, Belgique saison 1 mérite un B. Voilà. Un bon B. C'est bien un B. Bien, voilà. Belgique saison 2, après
Belgique saison 2. Comme la saison 1, la victoire d'Avilda ne faisait aucun doute. En Belgique saison 2. Tout le monde savait que Quen allait gagner saison 1. Tout le monde savait qu'Avilda allait gagner saison 2. J'ai pas été d'accord avec certaines choses qui ont été dites. D'ailleurs, pour moi, ce qui a été assez paradoxal, c'est qu'on crache tout le temps sur Rita. Et pour moi, les plus grosses conneries et énormités de la Belgique saison 2 venaient de Musty et de Lio. Genre, le nombre de conneries qu'ils ont débitées, j'étais en mode « Pardon ?» Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que Rita était la seule qui essayait justement de les contrôler et de les remettre en question en disant « Mais pourquoi tu dis ça ?» Et d'être la modératrice. Donc, pour moi, Rita a encore plus pris en confiance entre la saison 1 et 2. Donc, pour moi, je vais quand même mettre en B la 2. Parce que je préfère le casting de 2 au casting de 1. Voilà. Mais. Parce que il y a toujours un mais. Ça reste un B. Voilà. Pour moi, saison 2, c'est un peu mieux que la 1, mais ça reste un B. Voilà. C'est dans la moyenne haute. C'est bien, mais on peut faire mieux. Pour moi, c'est une franchise qui est vachement regardée et pointée du doigt. Il y a des défauts, certes, mais les défauts juste qui méritent d'être pointés du doigt et critiqués ne le sont pas. Et en fait, les gens s'enferment dans des récits où c'est genre Rita est le problème absolu. Ça va pas, c'est le problème absolu, alors qu'en fait, Rita fait un très bon travail. Et pour moi, c'est vraiment une franchise où je trouve ça dommage, mais les gens risquent de tuer cette franchise tout simplement parce qu'ils sont totalement biaisés. Que je trouve dommage. C'est pas la meilleure franchise de tous les temps, hein, soyons francs. On va pas se mentir, c'est pas la meilleure franchise de tous les temps. Mais c'est clairement pas la pire. Et c'est une bonne saison. C'est divertissant, c'est fun, il y a de bons challenges, il y a de bons trucs. Pour moi, c'est un bon B. C'est la moyenne haute. Brésil. Ah. Brésil. La présence de Brésil fait que je vais descendre la saison 1 de Belgique en C et mettre Brésil en A. En B. Ouais, je vais faire ça. Honnêtement, allez, on va pas se casser le cul, on va y aller comme ça. Hein. J'ai envie de dire, où sont Germanie? Alors, il y a Allemagne qui est là, et il y a Mexique, il est où? Mexique, là. Les trois sont identiques. Je suis désolé, les trois sont identiques. Les trois sont identiques. Et je vais descendre Brésil à cause des fans. Pour moi, Brésil descend à cause des fans, parce que ce qui s'est passé avec Organza était inacceptable. Ce qui s'est passé était inacceptable. Des menaces de mort, du racisme et tout. Alors quand il y en avait qui parlaient de Kiona, oh mon dieu, elle est victime de racisme parce qu'elle gagne pas le maxi défi de cette semaine. Moi j'étais en mode, allez voir ce qui se passe en Brésil. Allez voir ce qui se passe au Brésil. Ça, c'est du racisme. Et honnêtement, ce qui m'a le plus surpris et choqué avec Brésil, c'est que s'il y avait bien un pays où je m'attendais pas à ce que la réaction à Drag Race soit aussi violente et mauvaise, c'était Brésil. Parce que le Brésil a toujours eu la réputation d'avoir une très bonne communauté de fans qui adore Drag Race. Et l'arrivée de cette franchise a été tellement... En fait, tout le monde a été pris de court parce que personne s'attendait à ce que les gens réagissent comme ça au Brésil. Personne ne s'attendait à ça. Tout le monde s'est dit, ah, ça va être Brésil, ça va être bien réceptionné, ça va bien se passer. Ah, pas du tout. Ça a été une catastrophe, Brésil. Et pour moi, les trois franchises Paramount qui ont été lancées, Brésil, Mexique et Allemagne, qui ont toutes été tournées au même endroit, se valent tout en termes de niveau, parce qu'il y a les mêmes schémas, les mêmes répétitions dans la production et tout. Voilà. Pour vous dire, on a fait une blague, hein, mais tu regardes une seule de ces franchises, tu sais comment les deux autres vont se dérouler. Tu sais à quel épisode il n'y aura pas d'élimination, comment ça va se passer, à quel épisode il y aura des doubles chantés, quels seront les défis, tu le sais. C'est incroyable à quel point c'est des copies conformes entre elles, ces franchises. C'est invraisemblable. Et il est évident qu'on a eu des mots des équipes de Brésil et Mexique pour la saison 2, où ils vont changer les choses. Et ils vont avoir des différences. Et c'est bien. Pour moi, Brésil tombe aux côtés de Belgique saison 1 en C. C'est la moyenne basse. C'est dans la moyenne, mais c'est bas. Et pour moi, Allemagne et Mexique montent en B.
Allemagne, c'était vraiment très camp, très absurde, très drôle. Mexique, c'était surtout les runaways et certains challenges. Christiane Peralta était très clairement la gagnante évidente. Voilà, c'était n'importe quoi. Ce qui s'est passé avec Christiane Peralta, c'était... Voilà, la saison a duré beaucoup trop longtemps. Galavaro était incroyable et je l'ai adoré. Beaucoup de queens que j'ai adoré. Beaucoup de queens que j'ai adoré aussi dans Germany. Pour moi, ces deux franchises que j'ai adorées, elles sont tombées. Mais elles méritent pas d'aller plus haut. Voyez-vous, c'est des bonnes franchises. On est dans la moyenne. C'est bien, mais il y a mieux. Voilà, c'est bien, mais sans plus. Donc pour moi, Germany est là, Mexique est là. Et Brésil est en dessous parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé avec les fans et que c'était inacceptable ce qui s'est passé, c'était invraisemblable. Down Under saison 3. Down Under. Voilà, c'est Down Under. Allez non, blague à part. Regardons Down Under saison 3. La saison 3 de Down Under, j'aimerais bien vous dire que c'est la malédiction de la saison 3, mais les saisons 2 et 1 étaient mauvaises aussi, donc... Pour moi, Down Under saison 3 est aussi bien que la 2. Attendez, on va chercher les autres Down Under. Où sont les autres Down Under? Down Under saison 1 et 2 sont où? Alors ça, c'est la 1, je crois. Et la 2... Attendez, qui est la 1, qui est la 2? Ça, c'est la 1 de Down Under, ça, c'est la 2. La 1, c'est un F. La 2, c'est un D. Allez. La 2, peut-être limite en C, mais c'est un bas C, voyez-vous. C'est genre vraiment limite, limite. La 2 et la 3 sont mauvaises. C'est des mauvaises saisons. Mais on peut pas faire pire que la première. Voilà, vraiment, la première était catastrophique. Honnêtement, je préfère la saison 2 à la 3, ce qui fait que j'ai un peu envie de la mettre en C. Mais pour moi, ça ne mérite pas. Pour moi, c'est un OD bassé, la 2. La 3 était ce qu'elle était, c'était Down Under, quoi. Et la 1, avec tous les trucs, genre le blackface, le racisme et tout, t'étais comme ça, t'étais en mode, mais what the fuck. C'est un épisode de Twilight Zone que tu regardes. C'est la quatrième dimension de cette saison, vraiment. C'était tellement bizarre, t'étais en mode, what's going on. Bref, pour moi, Down Under saison 1 et aux côtés d'Hollande saison 2, c'est de la merde. C'est catastrophique, c'est invraisemblable ce qui s'est passé. Je préfère Hollande saison 2 pour vous dire à la saison 1 de Down Under, sans aucun doute. Down Under saison 2 et 3, elles sont côte à côte en D, c'est vachement bien. Voilà. Je pense qu'on sera bien dans ce côté-là. Nous avons ensuite Espagne saison 1, 2, 3. Donc elles sont dans l'ordre. Espagne saison 1, Espagne saison 2, Espagne 3, All Stars 1. Un petit pot de colle hein, là. Donc Espagne 1. Ouais. Espagne 2. Ouais. Espagne 3. Oui. Oh mon dieu, la vitesse et la violence. Espagne 3, c'était de la merde. Oublions Espagne 3. Espagne 3, voilà, c'est... Je pense que de toutes celles qui ont eu la malédiction de la saison 3, Espagne 3 est celle qui a été la plus violente. Ça a été vraiment catastrophique. Espagne 3. Par contre, All Stars 1. Ah, Espagne All Stars 1. Ah, la saison 1 d'All Stars en Espagne était incroyable. Jury, Drag Set Last, tout le monde, il y avait du drama, il y avait des choses hilarantes, il y avait des looks incroyables. Genre le look de Jury qui se pointe en chandelier. Oh my god. Girl. Oh my god. Voilà. Après, est-ce que ça mérite vraiment d'être aussi haut? Ah, je sais pas. Honnêtement, je préfère All Stars aux saisons 1 et 2, mais est-ce que All Stars a le niveau pour aller en S? Ah! On va la laisser en A pour l'instant, et plus tard on reviendra sur le sujet. Voyez-vous, on va la laisser là, et plus tard quand ce sera un peu plus rempli, on reviendra sur la question d'Espagne. All Stars, saison 1. Voilà, pour l'instant, voilà. On va rester là, hein, on verra. Et on reviendra plus tard là-dessus.
Voilà, c'est... Vaut mieux faire comme ça, je pense, pour l'instant. Voilà, voilà. On passe ensuite à Italie. Alors, ça, c'est Italie saison 3. Et ça, c'est la 1 et la 2. Attendez, je vérifie pour pas me tromper. Oui, c'est dans l'ordre. Donc, Italie 1. Italie va pas être haute, hein. Je vous préviens tout de suite. Italie va être pas être haute. Ah. Il y a eu vraiment de bons moments hein, dans Italie. Hein. Genre le renouer iconique du vampire pour le makeover. Ou genre le verre de vin se renverse sur la robe blanche et là tu vois que c'est tout rouge. Et là tu fais oh mon dieu. Et là tu vois les crocs de vampires être reveal. Et en fait c'est deux vampires. Et là tu fais oh my god. Génial. Et est-ce que un moment iconique peut sauver une saison? Non. Chaque saison, en somme, peut avoir un moment iconique. Et c'est pas parce que t'as un moment iconique que tu peux être sauvé. Je pense. Il y a quand même Electra Bionic hein, en saison 1 et ça reste quand même la seule gagnante de l'histoire à avoir gagné sans aucune victoire. Elle a gagné avec 0 victoire, Electra Bionic. Hein. Italie saison 1, c'est vraiment une saison que j'aime pas. Hein. Je vais la mettre en F. La saison 2, je vais la mettre... La saison 2, je vais la mettre en C. La saison 3, je vais la mettre en D. Pourquoi ? La saison 3, il y avait trop de monde. C'était la franchise internationale avec le plus de queens en dehors de US. C'était un bordel monstre. Lina Galore a bien mérité sa victoire. Ok, mais c'était un bordel. Il y a eu des énormités de la part des juges. Et le pire, c'est que ça venait des juges permanents. Tu te disais, mais mon dieu, mais qu'est-ce que tu dis comme connerie? La saison 2, je la préfère un peu à la saison 3. Beaucoup de personnes critiquent l'hosting, mais pour moi, ça va. C'est pas le plus... Pas le meilleur, mais c'est pas le plus catastrophique. Pour moi, la 2 est un peu meilleure que la 3, mais la 1 est vraiment catastrophique. Donc pour moi, 1, on va la mettre en F, la 2, on va la mettre en C, la 3, on va la mettre en D. Ça me paraît bien. Canada vs. the World, saison 1. Alors, Canada vs. the World, saison 1, c'est une saison assez importante. Ouh, pardon. Voilà. C'est une saison assez importante dans la franchise, au sens que c'est une saison... qui a révolutionné beaucoup de choses. C'est la fin d'une ère. C'est la fin de la troisième ère de Drag Race et c'est le début de la quatrième ère de Drag Race. Il y a eu Rita Baga, il y a eu Silky où ils ont parlé par exemple des problèmes de la réception des fans et d'à quel point les fans peuvent être cons. C'est incroyable et très important. Très difficile là. Là, on est très clairement dans une saison difficile. Canada. Canada vs. The World saison 1, je vais la mettre en B. C'est bien, mais sans plus. Raja Oera a très bien gagné, c'était mérité. Très bon casse. Victoria Scone était incroyable. C'était sa rédemption après son élimination forcée parce qu'elle a été blessée dans UK saison 3. Le casting était incroyable. Anita Wiglet de Down Under était une vraie révélation. Elle était stunning et super drôle. D'ailleurs, son élimination dans Down Under était injustifiée. Canada vs. The World, je vais la mettre en B. C'est bien. C'est dans la moyenne haute, mais sans plus. Voilà. C'était une bonne saison, mais il y avait mieux. Voilà. On passe ensuite au... Attendez, on a fini les franchises internationales sauf France. Non, il y a encore UK vs. The World saison 1. On va faire UK vs. The World saison 1. Puis après, on va passer aux franchises américaines et enfin, on va parler de France. Donc UK vs. The World saison 1. C ou D, je sais pas. Il y a eu le drama avec Jimbo qui a été éliminé par... Pangina Hill, c'est Pangina qui a été éliminée la semaine d'après par Blue Hydrangea.
Beaucoup de personnes ont dit que c'était méchant, que pauvre Pangina ne méritait pas. Moi, j'ai envie de te dire, Pangina a voulu commencer à jouer les jeux dégueulasses, d'éliminer la plus forte concurrente, et elle s'est fait prendre à son propre jeu et elle a reçu le cours de bâton. C'était hilarant. Pour moi, j'ai pas arrêté de rigoler quand elle a été éliminée. J'étais en mode, ah, c'est pas bien de rire parce qu'elle est ultra triste et tout, elle déçoit son pays. Mais girl, t'as cherché, c'est toi qui as commencé avec ça en faisant avec Jimbo. T'as mérité ton sort, voilà. T'as cherché la merde, t'as mérité. Bagachips et Jujubee ont été assez décevants. Bagachips se prenait pour quelqu'un de meilleur qu'elle ne l'était dans la saison. Voilà, sa performance n'était clairement pas au niveau de la saison 1 de UK. Jujubee n'a clairement pas mis de budget dans cette saison et aurait dû être éliminé beaucoup plus tôt. Blue Eyed Ranja est vraiment a bien gagné. Étant donné que Pangina et Jimbo n'étaient plus là, c'était celle qui méritait de gagner, hein, soyons francs. Mais elle était vachement bien et vachement bonne. Il y a eu des moments iconiques, genre le talent show de Jimbo. On a eu aussi le runway de Jimbo avec sa pièce d'échec. On a eu le snatch game de Blue Eyed Ranja qui était incroyable. Vraiment. Mais est-ce que c'est suffisant pour sauver cette franchise? Regardons ce qu'on a. On a Espagne 3. Italie 3. Down Under 2, Down Under 3, Hollande 1 et All Stars 5. Et au-dessus. C'est le haut des bas C. Voilà, on est dans le haut du classement du D et on est dans le bas du C pour moi. Pour UK versus the World. C'est vraiment une saison qui a été très mal réceptionnée, qui a été très bouillante sur bien des aspects, mais aussi très iconique par d'autres aspects. Voilà. Allez, vu parce qu'il y avait beaucoup de moments iconiques et hilarants, je vais la remonter en C parce que c'était quand même assez divertissant. Mais c'est le bas du C, hein, c'est limite D. Voilà. C'est mon opinion. Allez, voilà. On passe aux franchises américaines. Wouh ! Alors. Ah bah non, j'ai oublié UK saison 4. Ah, j'ai oublié UK saison 4. Allez, on va la mettre en B. Beaucoup de personnes n'aiment pas UK saison 4, mais c'était quand même assez drôle et divertissant. Et c'est le babé des OC. Voilà. Avec Danny Byrne, c'était assez fun. Donc, on va la mettre là. C'est le bas du B, c'est limite C, mais ça va, c'est pas aussi pire que UK 3. C'était vachement bien au niveau des castings, au moins. Donc, on va mettre ça là. Voilà. Au passage, en tant qu'elle est là, on va la balancer là. On passe à US. Alors, US, mon dieu. Alors, on va les remettre dans l'ordre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, All-Stars 2, All-Stars 3, All-Stars 4. 5, elle a déjà été faite. Donc, ensuite, c'est 6, 7, 8. On est bon. Saison 1. Alors la saison 1, comme la saison 2, c'est assez particulier, parce que c'est les premières saisons, il n'y a pas vraiment tout eu. Alors, y avait, le Snatch Game n'existait pas encore à ce moment-là. Donc on est face à des saisons où décider, c'est assez compliqué parce que ça a vieilli. Mais les membres du cast sont iconiques, Bibiza Arabane, et qui vient du Cameroun, comme elle aime tant le dire. Et la légende des icônes qui a gagné la première saison, c'était la saison de 2009, c'était la première, c'était un cast limité, on a eu Porkchop, on a eu Touch, on a eu plein de queens, Amy Brown et tout, plein de moments iconiques. Nina Flowers, ouais. On a eu plein de personnes iconiques, hein. Panel aussi. US saison 1. Elle a pavé le passage pour beaucoup de choses, mais ça reste assez brouillon. Voilà, on va dire que c'est vraiment le côté vieux, c'est le côté, voilà, c'est vieux, mais ça reste bien, c'est dans la moyenne. En fait, c'est la moyenne qui a permis de paver le chemin vers l'exception. Vous voyez où je veux en venir. Donc on va mettre ça là. La saison 2, il y avait Raven, il y avait Jujubee, il y avait Tyra qui a gagné alors que, bon... C'est la gagnante, on va dire, oubliée maintenant, hein, parce qu'il faut un peu oublier après tout ce qu'elle a fait que bah, c'était une connasse. La saison 2 a eu beaucoup de soucis. Mais elle était très iconique. L'introduction de Shangela qui reviendra en saison 3.
Honnêtement, je préfère la saison 1 à la saison 2. Donc on va la mettre en C, la saison 2. La saison 3, je vais la mettre en A. Parce que vraiment, la saison 3, c'est vraiment le... La saison 3, c'est pour moi la première saison où on commence à bien adapter le format et à bien comprendre. Il y a eu Raja, il y a eu plein de queens exceptionnelles. Delta Work, Manila Luzon, voilà. Et il y a beaucoup de bonnes saisons. Hein. Ouais, c'est compliqué. La saison 4, on va la mettre en B. Parce que il y avait Sharon et tout, il y avait des moments très drôles avec Fifi, Aurera, il y avait Latrice qui a été introduite. Mais aussi eu beaucoup de problèmes, donc on va la mettre en B. C'est bien dans la moyenne haute, mais non. Voilà. La saison 5. Honnêtement, bon A. Là, la saison 5 et 6 peuvent aller en S. Mais il faut que je regarde. Ouais. Saison 5. Que je le fais. Oh fuck it, je le fais. Saison 5 et 6, c'est des S. Saison 5 et 6, c'est le pic de Drag Race. C'est au moment où j'ai découvert la franchise. C'est au moment où j'ai commencé à regarder la saison 6. C'est la première saison que j'ai regardée pendant sa diffusion. Voilà, en suivant la diffusion aux États-Unis, c'était incroyable. Bianca Del Rio et tout. Saison 5, Coco Montrese, Alyssa Edwards. On avait Roxy Andrews. On avait Alaska. On avait Jinx Monsoon. Que des icônes, des challenges très drôles et fun. La saison 6, incroyable également. Voilà, incroyable. Bianca et tout. La promo de la saison 6 d'ailleurs était iconique. La promo de la saison 6, vraiment. Donc pour moi, saison 5 et 6, c'est dans le S tier. Ensuite, nous avons le cas de la 7. La 7, c'est une saison qui n'a pas de problème. La 7, pendant très longtemps, a été perçue comme la pire saison avec All Stars 1. Néanmoins, avec le temps, et c'était qui avait dit ça? Je crois que c'est Trixie qui disait, je re-regarde certains moments d'All Stars 7 et je me rends compte qu'en fait, c'est une saison qui a été très détestée. Et dans la finalité, avec le temps, c'est une saison qui vieillit extrêmement bien. Il y a des saisons de Drag Race qui vieillissent bien et il y en a d'autres qui vieillissent mal. Et celle-là, elle vieillit très bien, la saison 7. La saison 7 a très très bien vieilli comparé aux autres. Donc, honnêtement, je suis tiraillé entre la B et la A pour la saison 7. Parce que même tu regardes le casting de la saison 7, et je sais pas si les gens se rendent compte, mais on parle quand même d'un casting où on a eu Violet Chachki, Max, Pearl, Trixie, Katia, Ginger Minge. On a eu plein de personnes inédites. On a eu Kennedy Davenport. Tu regardes le casting, tu te dis aujourd'hui, tous les membres du casting de la saison 7, à quelques exceptions près, sont des icônes. Ce sont des putains de légendes qui ont transcendé le drag. Et tu te dis, c'est peut-être une des saisons qui a été le moins bien réceptionnée. Parce qu'il y a eu beaucoup de trucs, genre le Comedy Challenge qui a été une catastrophe, où c'était en mode Hamlet, ils faisaient les pièces d'Hamlet, oh mon dieu. Il y a eu des challenges où tu disais, oh là là, my god. Et à côté de ça, quand tu regardes la saison et son impact qu'elle a eu sur la franchise, et aujourd'hui, quand tu vois où sont les queens qui ont été dans cette saison, girl, honnêtement, beaucoup de personnes, je pense, diraient que c'est l'une des pires franchises saison de Drag Race, mais je l'ai re-regardé récemment. Et j'ai passé un très bon moment. Donc pour moi, je la mettrais en B. Je la mettrais pas aussi bas que tout le monde. Vraiment, pour moi, la saison 7, c'est une saison qui s'est affinée avec le temps. C'est vraiment une saison où elle a été très, très, très mal reçue. Mais maintenant, avec le temps, et avec la... Quand tu vois la saison aujourd'hui, tu te dis, ça a bien vieilli. C'est une saison qui a bien vieilli, qui a bien mûri, et qui s'est bien passée. Vraiment, pour moi, la saison 7 mérite d'être réhabilité un minimum. C'est pas la meilleure saison, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est une bonne saison, de bons moments iconiques et surtout un cast légendaire et des runways iconiques. Genre Violet Chachki qui, en saison 7, a créé le 2 en 1. Le look 2 en 1, c'est Violet Chachki qui l'a inventé.
Valet Chachki qui s'est fait read pour avoir porté un pantalon sur le runway. C'était la première queen à porter un pantalon. Aujourd'hui, il y a littéralement des catégories dans les runways où c'est pantalon. Quand tu vois l'impact qu'a eu la saison 7, qu'a eu les personnes qui ont participé, qu'a eu Kennedy, qu'a eu Katia, qu'a eu Trixie, qu'a eu Violet, qu'a eu Ginger Minj, quand tu vois l'impact qu'ont eu ces personnes, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes ont critiqué cette saison pour bien des aspects. Et aujourd'hui, quand tu vois les raisons pour lesquelles ils ont critiqué cette saison, c'est des raisons qui font que cette saison a eu beaucoup d'impact. Peu de saisons de Drag Race peuvent dire « j'ai autant eu d'impact que les autres ». C'est vraiment une franchise, la saison 7, une saison très particulière. La promo, par contre, était dégueulasse. Mis à part RuPaul, elles étaient toutes immondes dans cette promo. Elles étaient pas belles. Voilà. Tout le monde était d'accord. Hein. Toutes les queens de la saison 7 se sont regardées, ont fait notre promo était dégueulasse. Hein. Surtout quand tu vois la saison 6 qui a eu la meilleure promo de tous les temps, tu passes à la 7, tu fais « oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Voilà. Mais vraiment, la saison 7 était une très bonne saison finale. Pas la meilleure, mais c'est une bonne saison qui mérite d'être réhabilitée. Et vraiment, re-regardez aujourd'hui la saison 7 avec, en étant ouvert d'esprit, vous vous rendrez compte que la saison a bien vieilli. Comparée à d'autres saisons, elle a bien mieux vieilli et elle est bien plus agréable que d'autres à regarder. Donc, saison 7 pour moi, kudos, tu es en B. Voilà. Saison 8. Alors, il y a eu Bob the Drag Queen, il y a eu Milk. Il y a eu Derek, il y a eu beaucoup de personnes très importantes. Honnêtement, je vais la mettre en B. Moi, cette saison, honnêtement, c'est pas la saison que je préfère. C'est pas la saison que je préfère. C'est clairement pas la saison que je préfère. Mais ça reste une bonne saison. On est dans la moyenne haute. J'appréciais aussi beaucoup la promo où c'était en mode le salon de coiffure. Un peu dans les années 70-60. C'était très agréable. La saison en tant que telle était très bien. On a eu Bob the Drag Queen qui a dominé cette saison, qui a été la première personne à jouer deux personnages différents en Snatch Game. Ça aussi, par exemple, la saison 7, Kennedy Davenport a été la première personne à jouer un homme au Snatch Game. Et oui, ça a été la première personne, Kennedy, à jouer un personnage masculin au Snatch Game. Enfin, saison 7, par exemple. La saison 8, Bob a été la première à jouer deux personnages différents dans le Snatch Game. On a eu des moments iconiques en saison 8. Et pour moi, c'est une bonne saison, mais sans plus. Voilà. Je préfère honnêtement la 3 à la saison 8, à la saison 7, à la saison 4 ou encore la 1. Je les préfère. Voilà. Je préfère la 3, par exemple. Saison 9. Sacha Velour. Chez Coulet. Peppermint. Oh là là. Alexis Michel aussi, d'une certaine manière. Oh. Honnêtement, je vais aussi la mettre en B. Hein. C'est pas... Oui, il y a eu le moment iconique du lip-sync de la finale où Sacha Velour fait son reveal qui est désormais légendaire et iconique. Est-ce qu'il lui a permis de gagner contre Chez Coulet qui aurait dû gagner cette saison? Certes. Mais à côté de ça, c'est pas une saison où il y a eu des moments exceptionnels. Vraiment, c'est une bonne saison. Il y a eu de bons moments iconiques. Et c'est pas la saison que je vais me dire « Ah, j'ai envie de la remater tous les jours, c'est une saison incroyable. » Vous voyez où je veux en venir. Voilà, c'est une bonne saison, mais il y a mieux. Donc, la saison 9, je la mettrai en B aussi. Je la mettrai au-dessus de la saison 7. Et la saison 8 et 9, je les mettrai côte à côte. Voilà, pour vous dire à peu près. On passe ensuite à la saison 10. La saison 10, c'est pas ouf. Hein. La saison 10, c'est clairement pas ouf. Hein. On a eu Eureka en saison 10. On a eu Miss Venge. Miss Venge. Au-delà de Miss Venge, il y a eu rien dans cette saison. La saison 10, c'était beaucoup d'espoir. Mais c'est un peu... Genre, ça a été un peu le pétard mouillé. Ça s'annonçait comme quelque chose de fabuleux et c'était pas si fabuleux que ça. Aquaria, d'ailleurs, est probablement la gagnante la plus oubliée de la franchise Drag Race. Parce que qui aujourd'hui se dit « Ah mon Dieu, il y a beaucoup de fois où tu parles avec des gens et ils se disent « Ah oui, c'est vrai, Aquaria a gagné Drag Race. » Et d'ailleurs, je vous conseillerais de follow Aquaria sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, elle a rien à voir avec ce qu'elle était dans Drag Race saison 10.
Elle a gagné très jeune Drag Race, trop jeune, je pense. La saison était bizarre. C'est vraiment pas une saison que j'ai appréciée sur bien des aspects. Après, à côté de ça, la saison 10, pour moi, vraiment pas une saison que j'apprécie. Voilà, c'est clairement pas une saison que j'apprécie. Néanmoins, c'est vraiment une saison aussi. Il y a une deuxième saison All Winners, comme All Star 7. J'ai envie de revoir Aquaria revenir. Parce que pour moi, Aquaria, beaucoup de personnes ont oublié qui c'était, qu'elle avait gagné Drag Race. C'est vraiment la gagnante oubliée, j'ai l'impression, Aquaria. Et vraiment, si vous la voyez à aujourd'hui, comment elle a grandi et comment elle s'est développée, ou je pense qu'elle pourrait revenir dans un All Winners. Et ce serait vraiment quelqu'un qui pourrait avoir une Redemption Arc. Genre, un peu comme Raja quand elle est revenue. Enfin, Raja, elle n'était pas vraiment oubliée, mais genre, une gagnante que les gens ne pensent plus. Une vieille gagnante ou une gagnante que les gens ont oubliée. Et je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être pointé et d'être mis sous les feux des projecteurs et de rappeler qu'elle existe parce qu'elle est très talentueuse. Et vraiment, cette saison était. Voilà, c'était quelque chose. La saison 11. Ah, ça va pas voler haut non plus la saison. Il y avait Ivy et Lodely, il y avait Brooklyn Heights, il y avait Scarlet Envy aussi qui avait fait des choses bien. Raja, ouais. Il y avait Silky, Nina. Ouais. Honnêtement, je me tiraille entre C et D, hein, cette saison. Je me tiraille vraiment. Je sais pas laquelle prendre. Je préfère la saison 10 ou la saison 11? C'est là que la question va se poser. Je les mets côte à côte. Il y a eu des moments vraiment iconiques entre Brooklyn et Ivy, mais c'était très clairement pas bon. C'était moyen, moyenne basse. Et surtout si je la mets en C, c'est que pour moi, il y a une autre saison de US qui sera en D et qui sera la pire saison de US avec All Star 5. Et je pense que vous savez c'est laquelle. On passe à la saison 12, où comme dirait notre host, Nikki Doll, l'une des préférées des fans, parce qu'elle a participé dedans. Honnêtement, je pense que beaucoup de personnes disent que la saison 12 est l'une de leurs préférées, juste parce que c'était la saison Covid. C'était la saison Covid, les gens n'avaient rien d'autre à foutre que de regarder Drag Race pendant le confinement. Canada, c'était après la sortie du confinement, c'était un peu pour se remettre. C'était pendant l'été, Canada, c'était à partir de juillet que ça a été diffusé. C'était après la saison 12, et pour moi, la saison 12, c'était vraiment la saison, c'était le confinement, tout le monde regardait. T'avais rien d'autre à faire que de regarder la saison 12. Il y a eu le scandale avec Cherry Pie qui a été coupé de l'édit parce qu'elle a fait des choses horribles. Voilà. Manque de bol, comment vous dire que couper une queen du montage entièrement et la disqualifier pour la queen en question a complètement dominé cette saison et fini dans la finale, c'est assez long et compliqué. Donc déjà de base, Cherry Pie a été un problème compliqué à gérer. Le début de la saison a été assez chaotique. On a eu des éliminés tôt. Nikki, même si par exemple Nikki, pour moi, méritait d'être éliminée à l'épisode, elle aurait mérité d'aller plus loin. Genre, par exemple, Nikki, pour moi, aurait dû aller un peu plus loin. Je la voyais pas genre de la deuxième moitié, mais genre finir au moins cinquième ou sixième de sa saison. Cinquième ou sixième éliminée aurait été bien. Genre finir à la 8e ou 9e place totale aurait été bien. Finir à la 11e place, tu te dis girl. Ouais. Mais après, tu regardes l'épisode où elle a été éliminée, tu fais oui, c'est logique qu'elle soit éliminée, c'était mauvais. Tu regardes Rakem Sakura, tu fais ouais, c'est logique qu'elle ait été éliminée, mais j'aurais voulu en voir plus. Jaida Essence Hall, JD Good était vraiment très bon. Aussi comme Queen. Beaucoup de personnes disent que la saison 12 est très bonne, mais je pense que, que ces gens ont un avis biaisé parce que c'était la saison Covid. Parce que c'était un moment assez obscur pour beaucoup de personnes. Et Drag Race a apporté la joie et la bonne humeur dans les foyers. Néanmoins, aujourd'hui, tu regardes comparé aux autres saisons, tu fais. Pour moi, la saison 12, c'est un B. Hein. C'est bien, c'est dans la moyenne, moyenne haute. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a des moments iconiques, genre par exemple le Look Over There pendant le défi des élections. D'ailleurs, je me demande si Drag Race France, au moment des élections, a un défi élection. Ce serait très drôle. En gros, c'est des défis où c'est les élections présidentielles. Et ils font des choses débiles, genre. Ça peut être un débat présidentiel comme en saison 12 où c'était n'importe quoi. Avec Jeff Goldblum. Le pauvre, il était full du père, il était perdu. Il disait, mais qu'est-ce que je fais là?
C'était très drôle. Néanmoins, pour moi, la saison 12, c'est vraiment une saison qui est surestimée par sa qualité. C'est une saison où les gens surestiment sa qualité et ses valeurs et sont biaisés juste parce que c'était la saison Covid et que c'était le Covid, c'était triste et il fallait regarder quelque chose et les gens regardaient la saison 12 parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Voilà. Pour moi, la saison 12, c'est un bon B. C'est bien, c'est dans la moyenne haute, mais sans plus. Saison 13. Un début assez lent, où il y a eu beaucoup d'épisodes sans élimination, d'épisodes où ils sont revenus, le Porkchop Landing qu'il y a eu au début de la saison, c'était assez drôle. Il y a eu des personnes iconiques, Candy Muse, Gottmik, Timon, vraiment des personnes iconiques. Après, honnêtement, la saison 13, je me tâte entre B et C. Pour moi, la saison 13... Je préfère la 12 à la 13, mais la saison 13, c'est genre le bas du B. C'est bas du B, limite C. Pour moi, c'est vraiment une saison... Après, on a eu de bonnes surprises et de bons moments, genre le Snatch Game de Gottmik, c'était invraisemblable. Les looks de Gottmik et de Simone tout au long de cette saison étaient exceptionnels. Ce qui m'excite beaucoup à l'idée de revoir Gottmik dans All Stars 9, parce que tu vas la voir et je pense qu'elle va apporter les looks de cette saison. D'autant plus qu'il y a des rumeurs comme quoi elle a dépensé plus de 200 000 $ en look. Donc, Gottmik avec un glow-up Drag Race, quand tu voyais déjà comment elle était dans sa saison, tu dis, mon Dieu, si elle a eu un glow-up entre-temps et qu'elle dépense plus d'argent pour ses looks, ça risque d'être incroyable. Néanmoins, ça reste là, voyez-vous, ça sera là, ça sera bien, ça sera bon, mais sans plus. Voilà, c'est la saison 13, elle est là, elle est en B. Saison 14, D. La saison 14 est un ovni. Invraisemblable et incompréhensible. Avec déjà d'une le chocolate bar, les doubles chantés répétitifs où personne n'était éliminé. Où genre tout le monde faisait la blague et se disait mais putain, éliminer des queens, on en a marre. Éliminer ces connasses, on ne veut plus les voir. Tout le monde disait ça, c'était ultra long, ultra chiant. Ils ont pour Sylvie à avoir un top 5 en finale. 5 queens en finale les gens, 5. Et vous voulez savoir c'est quoi le pire? C'est que la meilleure chose de la saison 14, c'est même pas Willow Pill. C'est même pas la gagnante. C'est même pas Diabetti. C'est même pas Bosco. Enfin, Diabetti, qu'est-ce que je dis des conneries. C'est même pas Bosco. C'est Mighty Morphosis. C'est que celle qui littéralement s'est fait critiquer parce que c'était la première hétéro de la franchise. Queen hétérosexuelle. Un homme cis hétéro qui fait du drag et qui participe à Drag Race. Ça a été un scandale monstre au moment de ses sorties. Bon, j'étais envie de vous dire, vous connaissez le drag, hein, il y en a, ça existe, hein, j'en connais d'ailleurs deux. J'en connais deux. L'autre, je suis pas sûr, mais oui, je crois qu'il est hétéro aussi. Faudrait que je demande. Après, c'est le genre de truc, tu demandes pas vraiment, on va dire, c'est plus dans la conversation où c'est amené. Et genre, j'en connais, par exemple, en France. C'est quelque chose qui m'avait pas choqué au moment où c'était venu. C'est tout à fait normal, le drag est ouvert à tous, ça existe, les queens hétérosexuelles. Néanmoins, la saison 14... C'est quand même triste de se dire que quelqu'un qui a fini à la 10e place, qui a été insulté de tous les noms pour être ce qu'elle était, est au final la meilleure chose et la meilleure success story de la saison 14. Pour vous dire, sur Twitter, je crois que Mighty Morphosis a plus d'abonnés que la gagnante qui est Willow Pill. Mighty Morphosis a plus d'abonnés, je crois, que la plupart des personnes de la saison 14. Après, la saison 14 a eu des choses exceptionnelles. Mais pas, genre, par exemple, vous avez eu malheureusement l'élimination de Cornbread, qui devait être un front-runner et qui était absolument incroyable. J'adorais Cornbread et sa relation avec Willow Pill était adorable, mais son élimination parce qu'elle s'est blessée, voilà, hein, c'était triste. Et tu voyais Cornbread qui était éliminé. Tu voyais les gens qui n'étaient pas éliminés parce qu'il y avait les doubles chantés, puis il y avait la Golden Chocolate Bar ou le Hit Chocolate. Tu voyais Mighty Morphosis, tu faisais bon. C'était bien. Maddy, c'est celle qui a eu le plus de succès après sa saison. Pour moi, Mighty Morphosis, c'est vraiment l'exemple de... Tu peux être détesté pendant ta diffusion. Ce qui compte, c'est pas la place à laquelle tu finis dans Drag Race. C'est pas la réaction des fans pendant la saison, c'est ce que tu fais de Drag Race. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de queens de Drag Race au travers du monde. C'est vraiment c'est ce que t'en fais. C'est qu'aujourd'hui, participer à Drag Race ne suffit plus pour t'assurer une carrière dans le drag. Surtout dans des pays, dans des franchises internationales comme en France où c'est très compliqué, il y a peu d'opportunités pour vivre du drag. Et quand tu vois
que Maddie Morphosis a réussi l'exploit d'être où elle est. Aujourd'hui, Maddie Morphosis est quelqu'un d'adoré et d'idolâtré, et que beaucoup de personnes veulent revoir dans All Stars, ou même hoster le pit stop. C'est quelqu'un d'incroyable. T'aurais dit ça au moment où Maddie a été annoncée, jamais on t'aurait cru, on t'aurait rionné. Pourtant, Maddie Morphosis est probablement la meilleure chose qui soit arrivée de la saison 14. C'est invraisemblable. Parce que Maddie Morphosis a été la génie qui a trouvé une solution pour jouer de sa popularité et de sa plateforme pour créer quelque chose. Aujourd'hui, dans Drag Race, les queens doivent créer une marque et c'est à elles de faire le travail pour être reconnues. Et d'un côté, c'est bien de voir ce côté-là avec Maddie Morphosis. Mais de l'autre, tu voyais tout le reste, tu fais « Mon Dieu, c'est horrible !» Genre Georgius, qui a été, je crois, la queen qui a le plus lip-syncé dans la saison. Alors tout le monde dit « Oui, c'est bien une lip-sync assassine, mais quand t'es traité de lip-sync assassine, ça veut dire que t'es une merde qui passe ta vie dans le bottom. » Excusez-moi, mais c'est un fait. Ça veut dire que t'es pas bonne dans les challenges et tu passes ta vie dans le bottom. C'est un fait. Et c'est pas une chose qui devrait être célébrée. C'est pas parce que « Oh oui, t'es bonne en lip-sync et tu sauves ta peau à chaque fois. » Oui, félicitations. Et ça veut dire que t'es nul dans les challenges. Et tu peux pas gagner une couronne en passant ta vie dans le bottom. Voilà. Angeria qui a totalement dominé cette saison mais qui a pas gagné. Ça aussi. J'aime beaucoup Willow mais pour moi j'aurais préféré Angeria pour gagner. D'ailleurs Angeria qui revient dans All Stars 9. Je suis très excité parce que je pense que ça peut être une bonne candidate. Et quelqu'un qui peut impressionner les gens. Mais vraiment tu vois cette saison. La saison 14 est un bordel monstre. C'est une catastrophe. Les saisons 13 et 14 vraiment ont été un bordel. Et honnêtement, la saison 13, pour le coup, je vais la descendre. Je vais descendre la saison 13, parce que si la saison 14 est aussi basse qu'elle mérite, la saison 13 ne mérite pas d'être aussi haut. Aussi haute. La saison 13 et 14 ont été des bordels. Ça a été le bordel. C'était n'importe quoi. Et les... Voilà. Ils ont testé, ils ont innové, mais ça n'a pas marché. Voilà, donc pour moi, la saison 14, c'est vraiment un ovni dans les saisons US. C'est un ovni. Et pour moi, beaucoup de personnes, quand la saison 14... Quand il y a eu la 11, il y a eu la 12, tout le monde a eu de l'espoir. Il y a eu la 13 et la 14, et là, les gens ont dit, c'est peut-être la fin de Drag Race. La franchise commence à mourir. Néanmoins, il y a eu le sauveur divin. RuPaul's Drag Race, saison 15. Et pour moi, c'est un S. La saison 15 de Drag Race est un sauveur inespéré. L'arrivée sur MTV, Sasha Colby, Anitra, Mistress, Lux Lauren London, Lucy Laduca aussi. Cette saison a été ultra divertissante. Déjà d'une, on a eu du shade. Fini les saisons 14 où tout le monde était gentil. En gros, les gens avaient peur. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de problèmes avec les saisons récentes. Beaucoup de queens mentent sur leur manière d'être et de penser parce qu'elles ont peur que les fans en ligne les agressent et les insultent. Mistress, par exemple, qui n'a pas eu peur, elle a dit « Je vais donner de la bonne télévision. » C'est de la télé, c'est pas pour se prendre au sérieux, c'est pour donner du divertissement. Drag Race, c'est pas sérieux. Voilà, Drag Race, c'est une parodie de télé-réalité, je rappelle à la base. Hein. Et bah, Mistress s'est quand même fait bloquer 3 ou 4 fois son Instagram. À cause des fans. Et au final, tu regardes, ils disent « Ouais, c'est toutes des putes. » Mais au final, tu regardes le cas de la saison 15, ils s'aiment tous entre eux. Ils sont tous incroyables. C'est une saison incroyable, la saison 15. Vraiment, j'adore cette saison. Elle est légendaire. Pour moi, c'est une saison qui a relevé le tout. Sasha Colby, qui même, on te disait, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là, a quand même eu des adversaires. Lux, Mistress ont été des adversaires, mais surtout Anitra a été une adversaire. Tellement de moments iconiques, genre le lip-sync d'Anitra et de Marsha. Marsha. Voilà, Marsha, trois fois, vous dites trois fois Marsha. Genre, Anitra qui saute et qui fait une roue au-dessus. Elle saute au-dessus de Marsha pendant que Marsha est en train de faire le pont en arrière. Et qu'elle saute et elle arrive et elle atterrit comme ça. Elle est en mode, hello. C'est comme ça, tu dis, mon Dieu. Le talent show de Marsha. Sasha Colby, icône légende, le runway, tu vois, Sasha Colby. Sasha Colby qui est en mode, désolé, Kerry Colby, je t'aime, t'es ma fille, c'est de la saison 14, c'est en mode, t'es ma fille, mais je peux pas te laisser être la plus connue des Colby, et t'es en mode, Mother has arrived, et quand tu voyais Sasha Colby, t'étais en mode, oh my god, this is Mother, ouais, je suis désolé, mais Sasha Colby, icône, légende, fabuleuse, Anitra, fabuleux, cast incroyable, saison ultra divertissante,
Le seul côté négatif, j'irais, c'est le Snatch Game. D'ailleurs, on ressent aussi le côté de la saison 14, parce que la saison 14 a le pire Snatch Game de toutes les franchises US. Et c'était tellement mauvais que pour s'assurer que la saison 15 ait au moins un meilleur Snatch Game que la 14, ils ont fait un gros Snatch Game. Parce qu'en gros, le problème de la saison 14, c'est qu'en fait, toutes les comédies queen qui auraient été sûrement bonnes au Snatch Game, c'est-à-dire Cornbread, Malimorphosis, par exemple, ont été éliminées avant le Snatch Game. Donc quand t'es arrivé et que t'as vu à quel point c'était une catastrophe, et que RuPaul elle-même est en mode, bon, toi t'es sauve, mais toutes les autres, vous risquez l'élimination, lip-sync SmackDown, et vous vous battrez tout en lip-sync pour vous sauver du cul. Et comme ça, t'es en mode, c'était tellement mauvais le Snatch Game de la saison 14. Et la saison 15, ils ont fait un double Snatch Game, du coup, avec 2 x 8 personnes, donc un Snatch Game... Non, 2 x 7 personnes. J'ai des conneries, ils étaient à 14. Ils étaient à 14 pour le Snatch Game. Et vous voyez le Snatch Game de la saison 15, se sont assurés d'avoir leur panel le plus large de personnes possible et imaginable. Ils ont fait 2 Snatch Games en une saison, en somme, groupe A et groupe B. Et vraiment, ils ont fait en sorte de faire ça pour avoir de bonnes performances. On a eu bien évidemment Lucy qui était incroyable, Tim Gunn qui était joué par Marsha qui était incroyable. On a eu vraiment ces... Marsha d'ailleurs qui m'a surpris au Snatch Game, c'était clairement pas celle que je m'attendais à être drôle au Snatch Game et elle a surpris. Lucy qui a été légendaire. Vraiment, cette saison 15 est exceptionnelle. Pour moi, c'est l'une de mes saisons préférées. Je l'ai déjà revue 3 fois. Je l'adore, j'adore ce cast. Pour moi, il est iconique. Je suis amoureux de Mistress. C'est vraiment du drag old school. Aussi, ce qui est bien dans la saison 15, c'est qu'on a vraiment tout le drag. On a genre le drag moderne à la TikTok avec Sugar et Spice. D'ailleurs, Spice qui méritait pas d'être éliminé au bol, hein, soyons francs, on est tous d'accord là-dessus. Et t'as le vieux drag old school texan à la Mistress. Vraiment, t'as tous les types de drag. T'as du camp, t'as du comédie, t'as du old school, du new school. C'était incroyable en termes de diversité, de dynamique et de fun. Donc pour moi, la saison 15 de US, c'est un oui, sans aucun doute. Et on passe à la saison 16. Et pour moi, la saison 16 aussi, c'est un S. Parce que la saison 16 était incroyable. Le début de la saison 16 me laissait un peu perplexe avec le truc Rate a Queen. Mais la saison 16 a tellement démarré sur les chapeaux de roue. En fait, pour moi, la saison 16, c'est vraiment, on reprend la saison 15 avec un nouveau cast. On remélange la popote et on donne quelque chose de bien. Tu vois le truc, c'était ultra divertissant. Les looks Pew, Plain Jane, Sapphira Crystal, Dawn. Putain, mais Morphine Love Dion, le BBL en personne. Alors, putain, ce lip-sync, genre le lip-sync. Oh, entre Dawn et Morphine. Oh, c'était un meurtre ce lip-sync. Morphine est arrivée, elle est en mode, ça va être le claquement de doigts de Thanos. Elle a eu raison de dire cette référence, hein, parce que Dawn s'est fait exploser le cul sur Body par Love Stallion. Oh, Megan Love Stallion, t'étais comme ça, t'étais en mode, ce lip-sync est incroyable. Les challenges de couture, oh mon dieu, Nymphia Wind, icône, légende, Plain Jane, une pute, mais qu'est-ce qu'elle est bien! Je sais que beaucoup de personnes détestent Plain Jane, mais qu'est-ce qu'elle était fun! Alors après, est-ce qu'elle aimait, c'était vraiment aussi bien d'aller autant contre Amanda? Non, mais au final aussi, ce qui est assez drôle, c'est que tu vois, Amanda et Plain Jane aujourd'hui sont amies entre elles, et elles rigolent. Donc en fait, c'est que tout le monde dit, ah mon dieu, t'es une pute avec Amanda, mais au final, tu regardes, tu fais oui, en fait, c'est du bon kiki. Et que certes, elles étaient méchantes entre elles, mais c'était pour donner la bonne télévision, tu vois, elles s'aiment entre elles, et au final, elles s'amusent entre elles, et elles se crachent dessus, et elles rigolent. Et tu vois, toute cette saison, tu fais, oh mon dieu, c'est bien. Et en fait, pour moi, ce que j'aime vraiment avec la saison 15 et la saison 16, c'est que c'est le retour des saisons à l'ancienne. Les saisons où les queens sont des drag queens, genre Mistress qui te regarde et fait, ton look est dégueulasse et moche, elle a pas peur de le te dire. Ouais, vraiment le vrai qui, t'as vraiment l'impression de voir des drag queens. T'as pas vraiment la. Ou c'est pas des drag queens qui se regardent et font oh mon dieu, on est dans une sororité, tout le monde est gentil, tout le monde est mignonne. Oh là 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 là! Oh! Non! Pour moi, cette saison est légendaire. La saison 16 et 15, incroyable. Et on passe à All Stars 2. All Stars 2, et bien évidemment, S également. En S! C'est obvious! All Stars 2 est en S. All Stars 2, icône, légende. Et c'est d'ailleurs assez drôle de se dire qu'on pourrait croire que la plupart du temps, il faut que le résultat de la saison soit en accord avec les fans pour dire que c'est une bonne saison. Mais au final,
Déjà d'une, ce que je vais faire, je vais descendre la saison 5 en A. Parce que je préfère la 6 à la 5 et du coup je vais la descendre en A déjà pour commencer. Je suis désolé la saison 5. Mais aussi, si tu regardes la saison 2 d'All Stars, All Stars 2, mon dieu, cette saison est bien. Parce que même si Alaska a gagné et que tout le monde voulait que Katia gagne, bah cette saison était iconique. Le premier Girl Band Challenge où c'était un remix de RuPaul avec Redo What You, est aujourd'hui iconique. L'un des meilleurs défis de Drag Race. On a eu des looks iconiques, le casting iconique. Le meilleur épisode de Drag Race, sans aucun doute, qui est Revenge of the Queen, quand les queens éliminées reviennent. Oh mon dieu, que c'était hilarant! Oh là là, j'adore cet épisode, j'adore All Stars 2. Pour moi, c'est une franchise iconique et légendaire, All Stars 2. Je sais que c'est pas original de mettre All Stars 2 parmi les meilleures saisons, mais vraiment, All Stars 2, après All Stars 1, a été vraiment le step-up et a prouvé que All Stars pouvait être une bonne idée de franchise. Et aussi, ce qui fait d'All Stars 2 une bien meilleure saison par rapport à beaucoup d'All Stars, c'est que c'est triste, mais tu regardes le niveau des queens qui ont participé. Et là, c'est pas de shade envers toutes les queens qui participent aux autres All-Stars, mais toutes les queens d'All-Stars 2 ont fini au minimum 5e ou 6e dans leur saison. C'était toutes des finalistes, des demi-finalistes, des personnes qui sont allées très loin dans leur saison, donc des personnes qui déjà de base étaient très fortes. Donc quand elles reviennent dans All-Stars 2, elles sont encore plus fortes. Donc forcément, le niveau était stratosphérique. Et pour moi, cette saison, All-Stars 2 est iconique et légendaire et mérite sa place en S. All Stars 3, un B. Il y a beaucoup eu de choses qui n'allaient pas. Bibi était génial, Changela était génial, Kennedy était génial. Beaucoup de choses qui n'allaient pas aussi vis-à-vis des fans, genre comment Trixie a été traitée. Soyons francs, j'aime beaucoup Trixie Mattel, mais la seule raison pour laquelle elle a gagné All Stars 3, c'est parce que c'était l'alignement du destin et des étoiles. Elle a gagné All Stars 3 tout simplement parce que les autres pouvaient gagner, étaient sortis du jeu. C'est tout. Elle a juste gagné All Stars 3 parce que toutes celles qui méritaient de gagner avaient été sorties du jeu par le conseil. On a eu le moment iconique de télévision qui a été Ben de la Crème, qui aurait dû gagner cette saison, qui s'est éliminée elle-même parce qu'elle a dit c'est bon, j'en ai rien à foutre de gagner la couronne. J'ai prouvé de quoi j'ai été capable. J'ai été littéralement dans le top et gagné chaque semaine de compétition sauf une. Girl, on est à la 5e semaine de compétition, j'ai été 4 fois dans le top et j'ai remporté 4 fois les semaines. Est-ce que j'ai vraiment besoin de prouver ma valeur? Je domine cette compétition. Les autres, elles sont en train de se prendre le bec pour rester ici. Moi, j'en ai rien à foutre de gagner, en fait. Je sais qui je suis, je sais ce que je fais et j'ai montré à tout le monde que j'étais l'une des meilleures drag queens au monde. Donc, je me casse. On a eu des moments iconiques. Vraiment. Aussi iconiques du mauvais côté. Genre le snatch game de Trixie qui était extrêmement mauvais en jouant RuPaul. Winner, winner, chicken dinner. C'était très mauvais, mais au final, c'est iconique. Kitty Girl. Genre Kitty Girl, où c'était genre le plan séquence. Où c'était la music vidéo pour la finale, un peu à la Radio Watch You. Sauf qu'en gros, il tournait dans tout le studio en arrière-plan, avec tous les figurants et tout, en une prise. Où ils ont fait un plan séquence où tu voyais partir de la baie de livraison pour aller rejoindre le plateau de tournage en passant par les ateliers de maquillage et tout. Je disais, oh mon dieu, c'était génial. Kitty Girl, très bonne saison. Enfin, Kitty Girl. All Stars 3, bonne saison. Mais il y a tellement eu de fou. En fait, il y a eu beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs, ce qui fait que cette saison descendra en B. C'est la moyenne, mais c'est la moyenne haute. Voilà. All Stars 4. Ah. La légende des deux gagnantes. La saison où il y a eu deux gagnantes. Qu'est-ce que je pense du fait qu'il y a eu deux gagnantes à cette saison, qu'on ait eu une égalité entre Money Exchange et Trinity the Tuck? Je pense que la raison pour laquelle on a eu ça, c'est les fans. Beaucoup de personnes ont critiqué All Stars 1, 2 et 3 parce que les trois gagnantes étaient blanches. Enfin bon, techniquement Marlan, Trixie est native américaine, hein, voilà, c'est... Elle est très blanche de peau, mais techniquement parlant, elle est native américaine, hein, de ses origines. D'ailleurs, elle rigole tout le temps en disant « Je ressemble à un natif américain, mais pourtant je le suis. » Voilà, c'est assez rigolo. Et du coup, les gens criaient au racisme en disant que toutes les queens de couleur ne gagnaient jamais. Ce qui, d'une certaine manière, était assez drôle parce que tu te disais « Oui, il y a eu... dans les saisons régulières, il y a plus de queens de couleur qui gagnent que dans les saisons All-Stars. »
Donc d'un certain côté, ça veut dire que les queens de couleur sont plus talentueuses parce qu'elles n'ont pas besoin de revenir dans un All-Stars pour gagner. Mais les gens criaient au racisme. Et la gagnante de cette saison aurait dû être Manila Luzon. Manila devait gagner cette saison. C'était évident qu'elle allait gagner cette saison. Mais Naomi Smalls a retourné la situation en éliminant Manila Luzon et en disant le « Life is not fair ». Iconique, légendaire. Et ce moment en fait où Manila a été éliminée a foutu la prod dans la merde. Parce que Manila aurait été du coup une queen asiatique, donc d'une minorité qui aurait pu gagner et du coup aurait calmé les problèmes de racisme tout en justifiant parce que c'était clairement la gagnante qui méritait de gagner. Et après ça, bah, tu te dis, bon, Manila est sortie de l'équation, qui nous reste pour gagner la couronne? Il nous reste Naomi Smalls, il nous reste Monet Exchange, et il nous reste Trinity The Tuck. Monet et Trinity sont au-dessus de Naomi, donc ce sera l'un des deux qui va gagner. Trinity a un bien meilleur track record que Monet Exchange, et elle est bien meilleure dans la compétition, et a bien mieux géré la compétition. Donc c'est la gagnante, c'est évidente. Mais d'un autre côté, si on fait gagner Trinity, ce sera une nouvelle blanche qui va gagner. Et les gens vont pas être contents et vont dire qu'on est raciste. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés au stade où ils disent « Oui, mais si on fait gagner Monet Exchange, les gens vont dire que c'est pas juste pour Trinity, parce que Trinity a un bien meilleur track record et Trinity s'est mieux déroulé dans la saison. Et au-delà de Manila, c'est celle qui avait le meilleur track record et celle qui méritait le plus de gagner. » Et c'est là qu'on tombe dans un paradoxe pervers. C'est que d'un côté, ils disent « Les fans, et pour calmer les accusations de racisme, faut qu'on fasse gagner Monet. Mais d'un autre côté, c'est pas du tout fair play de faire gagner Monet quand t'as Trinity à côté. Donc quelle est la solution? On va faire gagner les deux. Et voilà. Et honnêtement, All Stars 4, je vais la mettre en B. Parce que la saison en tant que telle était bien. Je préfère All Stars 3 légèrement à le 4, mais les deux sont en B. Je vais la mettre en B. Je comprends le twinning. Honnêtement, Monet et Trinity sont deux bonnes gagnantes. Elles sont très sympathiques, très géniales. Manila a très clairement pas eu besoin de gagner parce qu'au final, comme elle l'a dit dans le pit stop, elle fait « Qui de mes autres compétitrices dans la saison 4 d'All Stars ont leur propre show télé ? Qui sont aussi connus et légendaires que moi ?» Personne. Donc... voilà, je suis l'icône, je suis la légende que je suis. Et ma foi, elle a raison. Et... All Stars 4, quoi. Voilà, All Stars 4, c'était bizarre. Et le moment de Naomi Smalls qui s'est pris beaucoup de haine pour avoir éliminé Manila, ouais, c'était pas fair play d'éliminer Manila, mais d'un autre côté, elle avait raison. Parce que... elle voulait gagner. Et c'était logique que quand tu veux gagner, que t'as quelqu'un aussi fort que Manila, ta seule chance de gagner face à quelqu'un d'aussi fort qui va sûrement gagner la couronne, c'est de l'éliminer. Et elle a eu raison de le faire. Et c'était logique. Et c'est pour ça qu'ils ont introduit ensuite le système de vote, plus le système du Lip Sync Assassin en saison 5, parce que Naomi Smalls a retourné le système en, pour la première fois en étant la première à décider d'éliminer quelqu'un basé sur qui était la meilleure. Voilà, elle a décidé de faire ça. Et elle a eu raison. Même malgré la haine, je comprends totalement pourquoi elle a fait ça, parce qu'au final, elle a remporté cette saison. Donc félicitations Naomi Smalls d'avoir fait ça, et félicitations à Trinity et Monet, qui ont tous les deux gagné, parce que c'était une égalité, deux gagnantes pour cette saison. Et je comprends le pourquoi du comment de « on a abouti à une gagnante ». Et pour moi, c'est logique. Voilà, donc c'est bien. Félicitations aux deux gagnantes, et c'était une bonne saison et des moments assez drôles et iconiques. On passe ensuite à All Star 6. Pour moi, All Star 6, ah, ça va être controversé. Hein. Jamais en A. Pour moi, All Star 6, c'est une saison que les gens ont tendance à oublier, mais putain qu'elle était bonne. Kylie, Eureka, Ginger, Raja, cette saison était exceptionnelle en termes de qualité. Silky, son épisode qu'elle a eu, parce que c'était l'épisode de Silky, le lip-sync SmackDown. Genre les lip-sync d'All-Star 6, le nombre de lip-sync iconiques qu'on a eu dans All-Star 6, genre Barbie Girl par Silky, La Ganja Estranja, le lip-sync de finale où genre Kylie manque de se péter la gueule et elle fait une roue avant, elle est en mode « Non, je me suis pas pété la gueule ». Genre tous ces lip-sync iconiques, Manila Luzon contre Kylie Sonic Love,
en termes de lip sync, de challenge, de trucs, cette saison était exceptionnelle. Kylie, c'était incroyable de voir. C'était la première femme trans, du coup, à remporter une saison américaine. Alors, c'était pas la première trans, mais c'était la première femme trans à remporter une saison américaine. Parce que techniquement parlant, Jinx est non-binaire, donc techniquement, c'était elle la première. Bref, passons. Honnêtement, cette saison était exceptionnelle. Vraiment. Elle était exceptionnelle. C'est une saison que beaucoup de personnes oublient, mais elle était divertissante, incroyable, et oh my god, qu'est-ce qu'elle était bien. C'est vraiment All-Star 6, pour moi, c'est l'oublié, parce qu'elle arrive entre All-Star 5, qui était mauvaise, et All-Star 7, qui était la All Winners, et en fait, entre ces deux, on a tendance à oublier qu'il y avait All-Star 6, et mon dieu qu'All-Star 6 était génial. Donc pour moi, All-Star 6, il faut vraiment la remettre un peu plus haut, pour la mettre en valeur. All-Star 6, c'est une bonne saison, on a eu la chance d'avoir cette saison. Et c'était légendaire et incroyable. Donc félicitations All-Star 6. Pour moi, c'est un oui. En parlant de saison légendaire, la saison 7 d'All-Stars, la All Winners, où 8 anciennes gagnantes de Drag Race reviennent pour décider qui sera la gagnante de toutes les gagnantes. C'était incroyable. Oui, je sais, c'est pas original. Mais les gens... On a eu le meilleur Snatch Game de l'histoire de Drag Race. On a eu les meilleurs Acting Challenge d'impro. On a eu des choses exceptionnelles. Il y a eu des choses douteuses, certes, mais on a eu des choses incroyables. Les runways. Oh my god. Tu vois toutes les gagnantes qui arrivent sur le runway, t'es en mode... Voilà. C'était incroyable. C'était exceptionnel. C'était divertissant. C'était fabuleux. Alors, les règles... Très clairement, si tu n'as jamais vu une saison de Drag Race de ta vie et que tu commences avec All-Star 7, comprendre les règles, c'est extrêmement compliqué. Entre le Platinum Punger, les badges, attention, tu vas te faire bloquer avec le Platinum Punger, tu vas pas pouvoir gagner de badge. C'est ceux qui auront le plus de badges seront dans le bracket haut pour le Lip Sync Smackdown à la fin. Ceux qui n'ont pas autant vont participer au deuxième Lip Sync Smackdown pour gagner le titre de Queen She Done Already Done and Hers. C'était un bordel monstre. Mais oh mon dieu que c'était génial. J'ai adoré Raja, j'ai adoré Jinx, j'ai adoré Monet. Par contre, je dois admettre que j'ai été extrêmement surpris. Alors j'allais dire déçu, mais surpris par Shekoulé, par sa performance, à quel point Shekoulé. Shekoulé a dominé la saison 9. Shekoulé a dominé All-Star 5. Et là, elle arrive face aux autres winners et cette saison a été une déception. C'est qu'elle a commencé très haut avec Monet. Ils ont gagné la première semaine de compétition. Le cake est retombé immédiatement. Le soufflet a dégonflé. C'était comme ça, tu disais. Ouais. Je m'attendais à ce que Shekoulé soit... Tout le monde s'attendait à ce que Shekoulé soit parmi les meilleurs. À ce qu'on avait vu la saison 9 et All-Star 5. Et cette saison a prouvé que... C'est pas parce que t'as été très bonne dans deux saisons que tu seras très bonne dans une troisième. Et vraiment... Shekoulé a été la déception, je pense, par beaucoup. Trinity et Monet étaient géniaux. Vivienne était géniale aussi. Voilà, Vivienne a un peu souffert du fait qu'elle n'avait pas gagné d'argent et pas eu autant de reconnaissance que les autres. Evie et Jada. Oh my love. My heart. Raja, vraiment Raja qui était la maman du groupe. Raja, c'était la mamie. C'était la maman, c'était la tante que tout le monde aime. Raja, c'était un peu la vieille tante. Elle était en mode... I don't know, I'm just here for my new fans. Voilà, elle était comme ça, elle était en mode, je suis juste là parce que ça va faire plus de 10 ans que j'ai gagné la saison 3. Je suis là pour dire bonjour à mes nouveaux fans, pour me faire connaître, pour montrer que j'ai beau être vieille et sénile, je vous emmerde et je vous domine quand même, je peux être forte. Et elle a été incroyable. Cette saison était incroyable, vraiment. Cette saison était incroyable, sur bien des aspects. Félicitations à toutes les reines, cette saison était très divertissante, fabuleuse et légendaire. Incroyable, All-Star 7, c'était fabuleux, voilà, vraiment. Et on passe ensuite à la dernière saison d'All-Star sortie au moment où je fais cette vidéo, All-Stars 8, car la saison 9 n'est pas sortie encore. All-Stars 8, ça va être en C. Limite D. Parce que All-Stars 8 a été une grosse déception sur bien des aspects. J'ai beaucoup apprécié Jessica Wilde, Jimbo, Candy. Il y a eu des choses très paradoxales. Déjà d'une, le format du lip-sync assassin a été
sais, dans ces retranchements où on a eu des gens qui étaient de clair lip-sync assassin et d'autres qui en étaient pas. Genre Nicki Doll qui arrive en lip-sync assassin, tout le monde a explosé de rire, ils étaient en mode qu'est-ce qu'elle fout là. Voilà, c'était vraiment le moment où on était en mode on a compris, t'es là pour promouvoir et faire la pub de Drag Race France à l'international. On a compris. RuPaul t'aime, c'est pour ça que t'es là dans, en lip-sync assassin, on a compris. Et la pauvre, tu la voyais, tu te dis t'as pas le niveau d'être une lip-sync assassin. Quand dans la même saison, on prend Georgeous ou Angeria Van Michaels pour être des lip-sync assassins, tu fais girl. T'es pas au même niveau. Je t'aime, Nikki. Mais t'étais juste là pour faire de la pub. Désolé, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Donc, All Stars 8 a été très décevant. Pour moi, le top 2 aurait dû être Jessica Wilde et Jimbo. Jimbo a gagné, c'était mérité. Les looks étaient incroyables. Il y a eu des choses où tu te dis n'importe quoi. Genre, Nesha Lopez qui est en mode je suis passé pour une pute en saison 9 et j'ai envie de montrer que je peux être un ange. La première chose qu'elle fait quand elle est éliminée, c'est de cracher sur tout le monde et créer du drama partout. T'es en mode ah bon? T'as vachement changé. T'as dit que tu voulais changer, mais la première chose que tu fais quand t'es éliminée, c'est d'agir comme avant. C'est pas logique. Après, j'adore Nesha Lopez, elle est incroyable. Darian Lake, fabuleux. James Mansfield, incroyable. Kana Montrees, beaucoup de hauts et de bas. Heidi in Closet, elle a bien fait de se barrer. Beaucoup de delusion aussi, genre pour le Snap Game où il disait « Ouais, Jessica, tu méritais pas d'être dans le bottom, ça devait être Heidi et Kana. » Non. Pour moi, je pense que même si Heidi in Closet était restée pour le Snap Game, ça aurait quand même été Jessica et Kana Montrees dans le bottom. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était les plus mauvaises. Voilà, sa chicon était ratée à Jessica. Voilà, et la Kahana avec sa coco, c'était raté. Honnêtement, All Stars 8, c'était une saison avec plein de potentiel, mais mon dieu qu'elle m'a laissé un goût amer en bouche également. Puis déçu de cette saison. Pour moi, c'est vraiment la saison qui a prouvé que le format du Lip Sync Assassin arrivait à son bout, arrivait à son terme. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient décevantes. Et voilà. Pour moi, c'était une mauvaise saison. Je suis désolé. Donc pour moi, All Stars... Après, c'était pas aussi mauvais qu'All Stars 5. Je préfère All Stars 8 à la 5. Voilà. Mais pour moi, on va mettre All Stars 8 en C. Désolé. Et on arrive à Drag Race France. Ah ! Drag Race France saison 1 et saison 2. La saison 1 sera en B. C'est moyen, moyen positif. Beaucoup de choses brouillon, beaucoup de choses qui sont mal faites, mal peaufinées. C'est une première saison. C'est une première saison. Normal. Que ce soit pas parfait. Pour moi, cette saison, en termes de niveau et certaines décisions des juges étaient décevantes. Néanmoins, ça reste une bonne saison. Nikki a fait un bon rôle. Ghost. Voilà. Beaucoup s'attendaient à ce qu'elle se plante. Elle a prouvé le contraire. Bravo. Bon casting diversifié. Voilà. Après, il y a eu vraiment des moments où tu dis... Voilà. Il y a eu des côtés positifs et négatifs. Cette saison, pour moi, était bien, mais sans plus. Voilà. Et vraiment, le côté de la finale avec le makeover. Vu parce qu'ils ont choisi les profs, les proches, ils n'avaient pas les couilles de dire qui était meilleur que les autres parce qu'ils ne voulaient pas vexer quelqu'un. Parce qu'on est en France et il faut pas vexer les gens, alors que dans All Stars 2, ils avaient aucune peur de vexer. Je me disais, prenez pas les proches si vous êtes pas capable de prendre des décisions, parce qu'il y a les proches et que vous voulez pas les faire. Ils ont fait un lip-sync SmackDown, donc un tournoi en lip-sync. La grande dame ne méritait clairement pas d'accéder à la finale. À ce moment-là, elle aurait dû être éliminée face à Lolita. Lolita qui a toujours d'ailleurs été mise de côté et assez mal traitée par les autres. Alors aujourd'hui, elle est amie avec tout le monde et c'est l'host de Drag Race Mexico, Valentina. Enfin, Valentina n'est plus l'host à partir de la saison 2, mais Lolita a fait un bon travail en termes d'host et est vraiment légendaire. Pour moi, Lolita, c'est vraiment l'une des meilleures queens ressorties de Drag Race France. C'est quelqu'un que j'adore et que j'apprécie, que je respecte. Lolita Banana est incroyable et vraiment, je trouve que la manière dont elle a été traitée à plusieurs moments de la saison, tu te dis, c'est pas fair play. Les autres étaient très méchantes et clairement du favoritisme. C'est dommage. À côté de ça... Agressant saison 1, ça casse pas trois pattes à un canard. Les défis, les mini-défis sont tous viables.
Le reading challenge était mauvais. Le snatch game était passable. C'est un moyen. C'est un moyen plus. Et vraiment, il y a beaucoup de choses brouillon. Drag Race France saison 2 après. Je la mettrai en A. Et ça sera là. Pour moi, Drag Race France saison 2 est une bonne saison. C'est une bonne saison Drag Race, mais c'est pas la meilleure. Pour moi, le S tier, c'est les meilleurs. Pour moi, A, c'est quand c'est une bonne saison. Honnêtement, Drag Race France saison 2, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Choses où tu te dis... Il y a beaucoup de... En fait, pour moi, Drag Race France saison 2, j'ai l'impression que tout est un peu sous l'euphorie de Drag Race France. C'est le moment où il y a vraiment eu l'explosion en France du drag. Voilà, la saison 1 a commencé le truc, mais c'est vraiment la saison 2 qui a vraiment initié l'explosion, les notes et tout. Il y a eu des moments très biaisés, je trouve. Genre, par exemple, quand on a eu le Rosie Call, où tout le monde disait que c'était iconique, alors que moi, j'étais en mode, c'est pas un Rosie Call, c'est un lip-sync. Voilà, j'ai été insulté en commentaire pour avoir dit ça, mais c'est vrai, c'est un lip-sync, c'est pas un Rosie Call. Le Snatch Game, c'est un Snatch Game en France. Le bol, par contre, c'était bien, même si je trouve que Keona n'aurait pas dû gagner aux côtés de Cookie, parce que Cookie est supérieur en termes d'idées. Mais ils ont fait gagner Keona parce qu'il fallait lui donner une victoire et parce qu'elle était tout le temps dans le top. Donc, ok, pourquoi pas. Le retour de Peach était très mal géré avec l'élimination de Cookie. Les fans qui, bien évidemment, viennent toujours me critiquer en me disant « Je suis pas assez bienveillant, je suis trop méchant avec Dragascence », mais qui, à côté de ça, sont les premiers à insulter Cookie Conti, la traiter de pute et de catin pour tout et n'importe quoi, juste parce qu'ils ont vu qu'elle a balancé deux droits en bas. Elle a juste donné un peu de shade à quelqu'un. Les gens disent « Ah mon dieu, elle est méchante, c'est une cote. Hein. » Je suis en mode « C'est probablement la personne la plus gentille et généreuse du cast. » Voilà. Hein, mais ok. Pour moi, c'est vraiment la... Pour moi, la saison 2 a vraiment été gâchée pour ma part par les fans. Les nouveaux fans. Pas les anciens. Les anciens fans, globalement, étaient vachement bien. Je trouve. Mais pour moi, la saison 2 est vraiment beaucoup trop idolâtrée. Et c'est ce qui me pose problème. Et c'est justement un bon moyen, je pense, pour faire la transition vers la saison 3. C'est que la saison 3, je pense que va être moins bien reçue. Et que les gens vont se dire, la saison 2 était Et je pense que les gens se sont tellement bourrés le bourrichon à dire que la saison 2 était tellement bien alors qu'elle n'était pas si bien que ça. Voilà, ils se sont dit, elle est tellement plus exceptionnelle qu'elle ne l'était en vrai. En fait, j'ai peur que ce qui se passe avec Drag Race France saison 2, c'est que quand la 3 va sortir, c'est que les gens vont se dire « Ah mon dieu, c'est pas comme la 2. » En fait, ça c'est quelque chose qu'on a vu dans beaucoup de franchises. C'est un peu comme dans un film ou dans une série. C'est quand une série a une très bonne première saison, les gens s'attendent à ce que la deuxième saison soit meilleure. Vous voyez où je veux en venir? Et quand la saison 2 est bonne, mais pas aussi bien que la 1, les gens vont descendre la saison, dire que c'est de la merde, critiquer tout le monde. Et j'ai pas envie de voir... Les queens de la saison 3 ont du potentiel. Vraiment, ont du potentiel. C'est que beaucoup de personnes me disent « Oh, t'es connard, t'es gris, t'es un haters dans ton mythe de la saison 3. » Si vous voulez. Si vous voulez. Je m'en branle. Mais à côté de ça, vous aurez beau regarder mon mythe de Queen en long, en large et en travers, à aucun moment je dis que les Queens sont mauvaises. À aucun moment. À tout moment, je dirais, les Queens ont du potentiel. Et ce que je rappelle à chaque fois, et c'est ça que les gens me reprochent, c'est les fans. C'est qu'à chaque fois, je le rappelle, le problème avec la saison 3 de Drag Race France seront les fans. J'espère avoir tort. J'espère que ça se passera bien, que tout ira bien. Mais dans mon esprit, quand je vois que là encore, Cookie, juste parce qu'elle a dit sur Twitter, je suis pas fan de Taylor Swift, elle se prend des menaces de mort, ses fans de Drag Race France, je me dis, les gens, vous êtes pas bien dans vos têtes. Faut se faire soigner. Voilà. Là, il faut se faire soigner. Je suis désolé. Et vraiment, j'ai peur. Drag Race France saison 3, j'ai très peur. J'ai peur. Je sais pas par où quoi dire. J'ai très peur de cette saison. Parce que la saison 2 a... En fait, les gens sont tellement delusional, comme dirait Mistress. Sont tellement biaisés dans leur opinion vis-à-vis de la saison 2. Parce que la saison 2 n'est pas aussi exceptionnelle. Je suis désolé, j'ai dit que la saison 2 n'était pas aussi exceptionnelle que ça. Tout le monde disait, ouais, tu critiques beaucoup la saison 2, donc pourquoi tu la mets aussi haut dans ton classement de la saison 3?
Bah, tout simplement parce que c'est une bonne saison, certes, mais elle n'est pas aussi bonne que les autres. Il faut être pour prendre de la perspective et du recul. Cette saison est bonne, mais quand tu regardes comparé au reste, c'est pas aussi bon. Je suis désolé. Et vraiment, la saison 3, Dragon's Force va se prendre, je pense, un tollé. Les fans vont insulter les queens. Les queens vont se faire harceler. Je le sens, mais gros comme une maison, que les queens vont se faire harceler sur les réseaux de manière totalement injustifiée. Je le sens, mais gros comme une maison. Et après, quand je dirai, je critiquerai, je dirai le positif et le négatif, ou quand j'essaierai de défendre quelque chose que tout le monde déteste. Parce qu'on me dit, par exemple, que je suis le plus gros des haters, mais par exemple, j'étais l'un des seuls à défendre le look Bob l'éponge de Mamie Wata. Pour moi, j'adorais le look. Je disais que le look Bob l'éponge de Mamie Wata était génial. Les gens me disaient, ah, t'es méchant, c'est faux, c'est faux, c'est faux, et l'insultaient, Mamie Wata. Moi, j'étais en mode, les gens. Quand je dis du positif, vous dites que c'est pas bien, et quand je dis du négatif, vous dites que c'est pas bien. Au bout d'un moment, vous savez pas ce que vous voulez, ça va être quoi la saison 3? Cette saison 3, pour moi, c'est un désastre annoncé. Non pas à cause des challenges, non pas à cause des queens, mais à cause des fans. Les fans vont gâcher cette saison. Les fans vont tellement se monter le bourrichon que cette saison va être un désastre. Et dans la finalité, je le sens que cette saison, je pense que je vais l'apprécier. Je pense que je vais apprécier la saison 3. Peut-être même plus l'apprécier que la 2, c'est probable que j'apprécie plus la saison 3 que la 2. Mais que les fans vont tellement être désagréables avec, qu'ils diront que c'est la pire saison de tous les temps. Alors que ça ne la sera pas. Et voir les queens se voir rouler dans la boue et traiter comme des merdes, je pense que ça va me dégoûter. Voilà. Et c'est sur ce point-là que je finirai. C'est que ceci est mon classement. Pour moi, c'est mon classement des saisons de Drag Race. C'est un bon classement, à mes yeux. Je sais qu'il y aura des choix où les gens vont me dire c'est pas bien, genre Suède, je sais que les gens vont me dire Suède tu l'as mis trop, et c'est mon classement, c'est juste que Suède j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. Mais je sais que j'ai peur, voilà, en fait j'ai peur, c'est que je suis très pessimiste avec la saison 3 parce que je sais que cette saison va se faire défoncer la gueule. Je sais que cette saison va se faire défoncer la gueule à cause des fans. Les fans vont dire de la merde. Les fans vont critiquer cette saison injustement et les fans vont détruire les queens injustement. Et ce ne sera pas mérité. Pour moi, ce sera quelque chose de pas mérité. Pour moi, wait and see, j'espère avoir tort. J'espère avoir tort. Mais j'y crois pas. Et je pense que cette saison va être victime des fans. Voilà. Dans tous les cas, voici mon classement. Je regarde ça globalement en long, en large et en travers. Je suis globalement d'accord. Je pourrais accorder peut-être au niveau du haut pour savoir qui sont les meilleurs. Ouais, on va laisser comme ça. Pour moi, ces 6 saisons sont les top de top. Elles sont exceptionnelles. Cette catégorie A est incroyable. Je pense. C'est de bonnes saisons. Les B, on est dans le moyen un peu au-dessus. Voilà, c'est le moyen plus. Le C, c'est le moyen moins. Voilà, c'est moyen négatif. D, c'est pas bon. F, c'est de la merde. Voilà. Donnez-moi votre opinion sur ces saisons de Drag Race. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je sais que ça va être une vidéo très longue. Je vais en avoir en commentaire. Ils vont dire, oh mon dieu, la vidéo est longue. Elle est peut-être longue. Mais si t'es arrivé à ce point, ça veut dire que tu l'as regardé. Donc, tu te plains. Au moins, t'as du divertissement. Je pense que c'est... Personnellement, c'est mon classement que je suis d'accord avec. Voilà. Personnellement, c'est un bon classement. Voilà. Pour moi, c'est un très bon classement. C'est le mien, vous direz forcément qu'il est bon. On a beaucoup de bons Drag Race en ce moment. Vraiment, 2024 a commencé sur les chapeaux de roue. Entre All Stars en Espagne, entre Belgique, entre la saison 16... aux US. On a vraiment eu de très bonnes saisons pour le moment. On a eu Canada 4. Ça a été vraiment de très bonnes saisons. Pour le moment, la barre est très très haute en termes de qualité de Drag Race cette année. À voir la suite. Voilà. À voir la suite. Voilà. Et attendez, je viens de réaliser, mais il n'y a pas Thaïlande. Je viens de réaliser, il n'y a pas Thaïlande. Ah ouais, il n'y a pas Thaïlande. Quoi? Vous y êtes Thaïlande? Où est Thaïlande? Why?
Mais pourquoi? Thaïlande saison 2, je pense que je l'aurais mis là en S. Faut dire. C'est pour ça que j'ai équipé bon, Thaïlande. Saison 2 de Thaïlande aurait été en S, saison 1 de Thaïlande aurait été en B, pour ceux qui me demandent. Voilà. Pour moi, c'est un bon classement. Dans tous les cas, donnez-moi votre opinion en commentaire. J'espère que cette vidéo, un peu différente d'habitude, aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu en commentaire, ça m'encourage et ça m'aide et ça me donne de bons positifs pour continuer. Et je vous donne rendez-vous pour la saison 3 de Drag Race France et All Stars 9 aux États-Unis. Prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde.